ça, putain. Ouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai rempli de mon esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je vous ai rendu capable de faire des inventions, de répandre ma parole, car c'est pour cela que je vous ai choisi. Vous êtes mes élus. À vous les studios. Je sais pas trop comment vous dire, mais en fait, j'ai bientôt un date et je sais pas comment faire et j'aimerais vraiment que ça marche et j'aurais besoin de... Ah oui, c'était un rendez-vous avec un homme. Pardon. T'es trop petite, toi. T'es trop petite, attends, ton petit visage d'innocente. Pasteur Pau, excuse-moi, mais 22 ans, t'étais déjà mariée, donc... Ah, mais moi, moi c'est différent, c'est pas la même chose. J'étais déjà mature dans ma tête. Et ben, on va voir à quel point t'es mature. Donc, moi, je te dis, va à ce rendez-vous. Par contre, si je te donne un conseil, c'est vraiment de manger à la hauteur de ce que tu peux payer. Parce qu'aujourd'hui, la 2021, les garçons, c'est plus ce que c'était. Ils sont un peu pingres. Ah oui, non, maintenant, c'est égalité. Égalité juste sur la note, donc... Dans le portefeuille. Ouais. Ah, là, ça va plus, là, vraiment. Non, ça va plus. Donc ça, c'est mon conseil. Ok, et puis tu manges à ta faim, mais ce que tu peux payer. Okay. Je te donne un autre conseil, tu maximises la tenue. T'es ressorti là. Sexy ladies, en tout cas. Pardon, faut pas les écouter dès. Tu dois rentrer pas après 18h, parce que le premier jour là... Non, d'accord. Faut mettre les gens. C'est quoi, c'est bienvenu chez les Mormons là. Après 18h, je te Non, faut pas ça. En tout cas, on se retrouve sur notre émission Push Me Up sur le thème premier rendez-vous chrétien, que faire? On va vous donner des conseils, vraiment. Il faut suivre. Des bons conseils, vraiment. N'est-ce pas? Pour que ça se passe bien, le premier rendez-vous chrétien. Oui. Alors, rendez-vous vendredi prochain à midi. Bye bye. Bye. et dis-lui, je sais que tu règnes. Dis-lui, je sais que tu règnes. Peu importe ce que je vis, je sais que tu existes et que tu règnes dans ma vie. Tu ne pourras pas m'abandonner. Tu ne me laisseras pas tomber. Que je vis, tu m'as toujours protégé, tu m'as toujours protégé, tu m'as toujours aimé, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, et tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. C'est vraiment une dinguerie. Moi, je peux pas sortir avec une meuf qui a les cheveux courts, ça fait trop masculin. Je suis désolé. C'est pas que physique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça va pas. Ça fait trop masculin en fait. Merci, on est d'accord. On est d'accord. C'est des malades. On est d'accord. C'est des malades. Pourquoi vous criez? Boys vs Girls, c'est maintenant? C'est mercredi prochain. Donc c'est pas maintenant que vous allez commencer à crier là. Il y a des gens qui travaillent. Fresh. Allumez le feu, allumez le feu. Je suis ailé pour le Seigneur, allumez le feu. Ouais. Bonjour, bienvenue sur... Ouais. Alors, le public, vous-même, vous pouvez faire mieux que ça, on n'est plus sur le plateau. Welcome, bienvenue sur... Ouais. Bienvenue sur Fresh. Bienvenue sur Fresh. Welcome on Fresh. Bienvenido Fresh. Bem-vindo Fresh. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Maki! Ravioli, japonais, gyoza! Ciao! Ni hao! Guten Tag! Arigato gozaimasu! Annyeonghaseyo. Hein? C'est dire bonjour en coréen. Annyeonghaseyo! Fresh! Hein? Rijojo Soupe Jumu Rijojo Soupe. Quelqu'un en a un? Buenos dias Fresh. Toi, vas-y, lève le micro, vas-y, toi, oui. Ibaraman Fresh. Ah Eukier. Bienvenue. Non, vas-y, là, on fait le bon, les derniers. Welcome, bienvenue sur Fresh. Comme j'entends ça à ma gauche, et beaucoup font l'erreur, c'est pas Fwesh. Vas-y, dis-le. Non, c'est Fresh. C'est pas Fwesh, c'est Fresh. 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 Voilà, ouais. Fresh. C'est une première et une dernière émission pour lui. Alors bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'émission Boys versus Girls. Boys vs Girls. Et cette émission, alors elle va être vraiment, je pense vraiment que c'est la meilleure émission qu'on a jamais faite. Oh. Yeah. Non, je ne pense pas, je sais. Vraiment là, wow. Là aujourd'hui, est-ce que vous voyez que j'ai des cœurs sur mes chaussures ici? Bah, oh. Alors, je vais exprès mettre des cœurs, parce qu'aujourd'hui, ça va parler de love. Vous avez compris ou pas? Écoutez, quand on a préparé cette émission, en fait, je leur ai dit voilà, que c'était une émission Boys vs Girls. Et c'est William qui a commencé à préparer l'émission. Et en fait, William n'a rien compris. William aime trop les jeux, en fait. William, c'est comme un peu, j'allais dire un labrador. Non, mais William aime vraiment trop jouer. Non, 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 t'es pas un labrador. Mais il aime trop les jeux, en fait, William. Et dès que j'ai dit Boys vs Girls, William a commencé à préparer une émission et m'a envoyé avec plein de jeux, tout ça. Et en fait, William pensait que c'était une émission où les garçons allaient jouer à des jeux contre les filles. Et le gagnant, voilà. Un enfant, vraiment. En fait, non, c'est pas ça. C'est boys vs girls. Les filles et les garçons vont se parler aujourd'hui. Les filles vont reprocher des choses aux garçons. Les garçons... Voilà, voilà, refais ça. Vas-y, bien haut, bien haut, bien haut. Voilà. Vas-y, Archimède, Archimède, commence. Qu'est-ce que... Commence. Vas-y, ça va être comment aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va y aller. Ouais, vas-y, avance, vas-y. Je vais remonter, là. Ouais, vas-y, ouais. Là, je vais me défouler. Ouais, vas-y. Je vais dire ce que j'ai dans le cœur. Ouais, vas-y. Voilà, toutes les blessures des ex, là, tu vas les libérer aujourd'hui. Okay. Et on passe le bonjour à Annika. Salut, toi. Mon Dieu. Mince, alors. Une ex qui s'ajoute à la liste, Archimède. Annika. Et voilà, et on passe le bonjour à T35 ex aussi, Nirina. Alors, donc aujourd'hui, ça va être une émission love, mais pas love, vous voyez, il n'y a pas de rose là sur le plateau, pourquoi? Parce qu'on va parler d'amour, mais ça va être des débats, ça va être des oppositions, ça va être un combat, ça va être un duel. T'as compris ou pas? Aujourd'hui, donc, il y a les filles d'un côté, les filles faites du bruit. Yeah! Les garçons faites du bruit. La virilité contre contre la puissance. Contre la puissance. Ouais. La virilité contre la puissance. Ok, je disais alors, donc il y a les garçons d'un côté, les filles d'un côté. Et aujourd'hui, il n'y aura pas forcément de gagnant, bien qu'il y aura des jeux. Donc yes. Si au final, il y aura une équipe gagnante. L'équipe gagnante, je vous amène au parc Astérix en je sais pas quand. Et on va faire un vlog là-bas. Ah, mais... là, on gagne. Franchement, je préférais partir avec les filles parce que... Oui. Oui. Mais bon, je vais partir avec l'équipe gagnante. Hein, je vais partir. On va au parc Astérix. Et est-ce que chacun paye sa place ou pas? Bon, c'est pas grave. Ok, je disais alors, merci de ne pas nous... S'il y a des gens du public qui viennent un peu en retard, merci de ne pas nous déranger, s'il vous plaît. Merci d'aller... Voilà. Soyez bénis. On disait donc, il y a les filles d'un côté, il y a les garçons d'un autre côté. Et aujourd'hui, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Écoutez, t'as quel âge, Archimède? 24. Ça fait 24 ans que tu subis les filles. Ça fait 24 ans que tu croises des filles dans la rue. Ça fait 24 ans que tu vois des filles. Ça fait 24 ans que tu entends leur voix. Ça fait 24 ans que tu habites avec des filles. Tu as une sœur, Archimède. Tu as des ex, Archimède. Tu auras une femme, Archimède. Tu as des brebis filles, Archimède. Tu subis les filles, Archimède. Il est temps aujourd'hui pour toi de te libérer. Tu as quel âge, Océane? Non, tu as quel âge, Bénédicte? La doyenne. 25 ans. Ça fait 25 ans, Bénédicte. On est sur les 26 à la fin du mois. Ça fait 25 ans, Bénédicte, que tu subis les garçons. C'est vrai. Tu vis avec un frère. C'est vrai. C'est un macho. C'est des machos. Tu vis avec des machos, Bénédicte. Tu en as marre, Bénédicte. J'en ai marre. Aujourd'hui, tu veux t'exprimer, Bénédicte. Revanche. La revanche. Yes. La revanche. Oui. Allez, les filles. La revanche. Voilà, aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup ici qui sont un peu machos, ok? Franchement, les machos, bon déjà, alors Steven, lui, ça doit que c'est un macho. Lui, sa tête, lui, là, lui, dans sa tête, il se dit, mais pourquoi ils font pas la vaisselle? Pourquoi elles sont là? Lui, c'est un macho. Qui est macho ici, un peu? Bon. Archimède, t'es un peu macho, non? Un peu? Non? Ethan, t'es un peu macho? Non, mais non. D'accord, William? Un peu? Un peu. Ah, il est un peu macho, William? Un peu. Ah ouais. Ah oui, William. C'est quoi l'inverse de macho? Féministe. Matcha, hein? Féministe. Qui est féministe ici? C'est féministe. Ou qui vraiment défend le droit des femmes? Est une femme énervée? Qui est une femme qui croit en la féminité? L'humanité ici. On se trompe de casser. Ah, vous croyez pas? Vous croyez à la masculinité ou pas? Oui. Quand vous croyez à la féminité? Oui. Mais pas dans l'excès. Pas dans l'excès? Ok. Ok, alors avant de commencer l'émission, écoutez bien quelque chose. Il y a devant là 3 garçons, 3 filles et derrière il y a 3. Souvenez-vous, quand vos micros, vous ne parlez pas dedans, le micro-main, il faut l'éteindre. Ok? Écoutez bien, alors on va faire la présentation très rapidement. Alors on va présenter, je vais dire bonjour à juste pour présenter. Bonjour William, ça va William? Ça va très bien. Bonjour dans le chat à William. Bonjour Ethan. Ethan, t'as déjà vu dans les émissions. Mais Allahmo, tu nous as vraiment quitté. Mais tu es revenu. Comme Lazare, tu es sorti du tombeau. Maintenant, tu es revenu aujourd'hui. Faut se calmer. Ça va toi? Ça va. La classe. Et à côté, on a Archimède. Archimède, est-ce que tu as présenté? Archimède, un petit mot au public peut-être pour leur teaser un peu l'émission? Coucou. Pour leur donner envie de regarder l'émission. Ok, bah c'est Archie. Déjà, vous avez vu l'émission dernière? Non, avant. J'ai gagné. Donc je vais gagner avec les garçons. Voilà, et on présente aussi les garçons. Vas-y, allume le micro, vas-y, parlez. Alors, quel âge, prénom, origine? Bonjour, moi c'est Mathieu. 19 ans, origine haïtienne. 100%. Et puis voilà, je suis venu pour gagner de toute façon. En vrai, je vais gagner. En fait, bon, est-ce que tu peux leur dire que c'est pas un jeu en fait? C'est un débat en fait. C'est un débat. En fait, ils comprendraient à l'émission. Des garçons. Désolé, je crois. Allez, tu sais quoi? Donne-moi un stylo là. Je vais noter un point pour les filles parce que là, je suis désolé, mais là. Non, donne ton ardoise. Alors, vous savez quoi? Moi, finalement, j'ai l'ardoise. Voilà, je sépare en deux. Il y a F pour filles et G pour garçons. Je donne un point pour les filles. Voilà. Un point pour les filles parce que non. Voilà, non, elles ne comprennent jamais rien. Oui. Moi, je suis pas un garçon, je suis un esprit. Alors, okay, oui. Ok, moi, c'est Ilias. Ça fait ma 3e émission. Et là, vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'on est en train de restructurer les équipes. Et en fait, il veut me dire... Il va me dire, ah, tu vois, c'est plusieurs émissions que je fais. Est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que c'est pas le temps pour moi? Oui, tu aimerais? Ouais, j'aimerais de ouf être sur Fresh. Ok, convainc les téléspectateurs de te faire passer sur Fresh. Ok. Tu donnes chroniqueur. Ok, ok. Moi, vraiment, je suis quelqu'un qui a un grand cœur. Qu'est-ce qu'il raconte? Donne le micro, mon frère. Donne le micro. Quel rapport? On n'est pas chez Mythique ici. Ah, pas chez Mythique. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il voulait rester dans le thème de l'émission. Alors moi, c'est Steven, 22 ans. J'espère vraiment que quand vous parlez, le micro est allumé. Sinon, vraiment, là, les téléspectateurs vont se moquer de vous. Il est allumé. Oui, vas-y. Alors moi, Steven, 22 ans. J'aimerais dire que si on m'a appelé, c'est vraiment pour éteindre les filles en fait. Voilà. Vraiment, si on vous a appelé, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire sur ces femmes. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de l'émission, ça va vraiment être terrible et il y aura des révélations qui vont éclater. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, en fait, vous avez tous des micros là en fait. Vous comprenez, vous devant. C'est quand il parle et vous faites tous haut. Je sais pas si on entend ce qu'il dit en fait. Faites des petits hauts. Vous mettez votre main. Ouais, le micro est éteint là. Oui. Toi aussi le micro est éteint. Oui. Ah c'est bien, vous avez les bons réflexes. Ok, il y aura des révélations. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant partager? Vous pouvez partager sur Instagram, partager sur WhatsApp maintenant, avant de présenter les filles. Et on va dire aujourd'hui il y a des révélations qui vont tomber. Ah, on m'a cambriolé mon téléphone. Bon, bah, je peux pas partager. Ah, bah, c'est bon. Bah, mince. Alors, oh, je sens que ça va rigoler aujourd'hui. Yes. Ah, je sens qu'aujourd'hui, ça va y aller. Je sens que c'est la bonne franquette aujourd'hui, Archimède. Ok. Oh, le pire. Mon frère, si on est tous à faire des vidéos comme ça, tu penses pas qu'il y aura un petit problème? Il y aura un petit problème, non? Ok, d'accord. C'est la guerre. Ok, je vais faire une story. Faites des stories, partagez dans vos GR. Partagez partout. Hey guys, on est maintenant en live sur... Fresh! On est en live sur Fresh. Écoutez, l'émission, c'est Boys versus Girls. Ça va parler de ce que les garçons n'aiment pas chez les filles, ce que les filles n'aiment pas chez les garçons. Viens nous rejoindre maintenant sur la chaîne YouTube Evangile TV. On t'attend maintenant en live. Ok, je partage ma petite disquette habituelle. Ok. Mon frère, si on est tous à faire ça, tu penses pas qu'il y aura un petit problème de connectique? Il a dit bien. Non, mais lui, là, viens, j'ai une soupe Joumou, viens. Je dis ça. Voilà, partagez partout, on partage. Partagez le lien, copier-coller, parce que c'est une émission qui va rester dans les annales. Dans les annales. Beaucoup sont à l'école, là, mais vous êtes en pause, arrêtez, venez ici, là. Ça vous permet de décompresser un peu. On partage. Hey guys, on est maintenant en live sur Fresh. L'émission, c'est, regardez, voilà. L'émission, c'est Boys versus Girls. Boys versus Girls. Venez bien maintenant, vous allez voir, on va bien rigoler. Bien. Ok. C'est bon, vous êtes tous déjà partagés? Yes. C'est bon, vous avez partagé. Vous avez partagé. Ok. Bon, je partage un petit coup encore, un petit coup. Super. Ok, je disais alors, bon, si on a bien partagé, on peut commencer. J'aimerais vraiment qu'on commence à prier pour que le feu de l'éternel descende dans ce plateau. 1, 2, 3. Je rigole, c'est pas le thème de l'émission. Le thème, donc, c'est Boys versus Girls. Déjà, je vais soulever un débat de société. Pourquoi c'est pas Girls versus Boys? Déjà, ça part de là. Attendez, déjà les filles, présentez-vous. Ok. Ça t'es une fille, toi. Déjà, ça part de là. Oula, ça part de là. Oula, ça part de là. Là, aujourd'hui, je vais parler. Ok, on va présenter alors rapidement. Vas-y, alors prends-toi la fille en rouge. Ok. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Ange et je suis habillée en rouge parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu love. Mais j'ai mis du noir parce que c'est la guerre. Là, franchement, les sœurs, on est venus vous délivrer parce que là, c'est trop. Le Messie. Là, faut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme dit la Sylvain, il y a des révélations aujourd'hui, Ange. Ok, Nirina, présentation. Ok, bon, bah, moi c'est Nirina, vous me connaissez déjà un petit peu. Bon, j'étais calme jusqu'ici. Non. Genre rien. Ah, non. Non, on te connaît pas trop, mais vas-y. Ok, bon, bah... Ah, t'es blessé. Non, mince. Bah, tu peux mettre le replay des émissions comment être guéri des offenses. Oui, dis-donc. Okay. C'est vrai que ça, c'est un problème chez les filles, elles se blessent très très vite. Oh. Oh. Excusez-moi, oui, je soulève un débat de société. On marque un point. Oui, non, en vérité, les filles, non, sans blaguer. Je refuse, non. On marque un point. Toi-même, t'es un leader. Tu gères des brebis. Sois honnête, c'est pas vrai? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, elle est honnête. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais on va voir ça tout au long des émissions. C'est que les filles ont une sensibilité que les garçons n'ont pas. Expliquer. Mais justement, des fois, les garçons devraient avoir une plus de sensibilité. Amen. Amen. Donc, Nirina, on te connaît déjà, oui? Oui, voilà. Mais là, je vais parler français. Là, je vais pas. Vous me connaissez peut-être calme et tout. C'était bien jusqu'ici. Aujourd'hui, là, je vais dire des choses. Voilà. Est-ce que tu peux déjà dire quelque chose de choquant, peut-être? Ah, quelque chose de choquant? Oui, peut-être pour annoncer la couleur un peu. Ah, bah j'ai eu plusieurs relations, donc j'ai un petit peu d'expérience. Plusieurs ou 35? Non, on va rester sur plusieurs. Mais moi, je connais le chiffre, tu m'avais dit. Tu te souviens de ce soir-là? C'était une erreur, j'étais un peu fatiguée. On a fait une raclette chez Gira. J'étais fatiguée. Tu étais là, Archibald, t'étais là, non? Non, oui, oui, t'étais là, sauf que ton tuto, tu ne même plus rien, tu savais même plus ta date de naissance. Bénédicte, t'en souviens, non? Oui, c'était un jour, on était... Oui, on était chez Indira, on a fait une raclette. Attends, reste là, calme-toi. Tu nous avais, on s'était tous confié des choses et tu nous avais confié ce jour-là un chiffre. Oh, hein, mais c'était trop. Et tu m'avais dit, Respo, je vais pas te dire, bah fais 10 plus 15 plus 10. Bref, donc tu vas dire des choses aujourd'hui. Oui, voilà. Ok, vas-y, tu as une révélation choquante déjà? Maintenant? Oui. Je pense que je vais réserver. À... Tu as réservé? Ok, Jessie, passe le micro à Jessie. Hein. Hello tout le monde, bah moi c'est Jessie. Là pour regarder comment elle est gentille, elle est mignonne. On l'a ramenée dans ce monde de brutes. On l'a ramenée là, à la Ange, elle est à côté de Bénédicte. Regardez comment elle est gentille, elle est mignonne. Vas-y Jessie. Du coup j'ai 20 ans et c'est ma première apparition sur Fresh. Et, première apparition même tout court. Hein. Bah oui, vas-y. Vas-y. Ok, ça commence bien. Elle est très, très mais voilà quoi, aujourd'hui on y va franc. Ah oui, je taille les filles, je suis un garçon, excusez-moi. Je suis un garçon. Mais mine de rien, j'ai les cheveux courts. Ah oui, attends, vas-y, annonce un peu la couleur là, annonce un peu la couleur. Donc aujourd'hui, non, ça va être fort, ça va être terrible. Les filles là, on va montrer nos vrais visages. Waouh! Attends, vous êtes tous maquillés. Moi, ce que je sais, c'est que maquillé ou pas, William, j'ai la même tête. C'est pas le cas de tout le monde ici. Un point pour les garçons. Vous avez rien dit. Non, mais je peux le dire. J'avais ça dans ma poche. Non mais... Attends, calme-toi, je vais t'énerver. Non mais... Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai même envie de prendre votre pic romain et de leur donner à eux, excusez-moi. Ah, vraiment, la masculinité, là, je sais pas comment on dit, la ressort, la fausse locale. Oh my god. Non, vraiment, je suis très... j'ai la féminin, oh mon dieu. Non, je suis très... moi, je suis du côté des deux. Vraiment, il n'y a plus homme ni femme. Vraiment, moi, j'aime pas... bon, hein, bon, oui, Bénédicte, alors. Alors, du coup, ici, là, aujourd'hui. Ok, là, écoutez. Ici, là, aujourd'hui. Là, vous la voyez, là. Écoutez, j'ai ramené un missile. Oh non. J'ai ramené une torpille. J'ai ramené une bombe atomique. Ça veut dire, elle, j'appuie sur un bouton. Je vous dis que ça a pété ici. Si on termine le plateau et que les chaises restent debout, on n'a pas fait... Bénédicte n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous allez voir, je suis persuadé. Kevin, à un moment donné, je t'invite à faire ça. Si à un moment tu es choqué, tu peux te lever, venir là, en face d'un garçon comme ça, et dans les yeux. Bénédicte, aujourd'hui, tu es en roue libre. Amen. De toute façon, je suis habillée là. Je suis habillée pour me battre. Tu es habillée pour te battre. Explique-moi un peu ton âge, ta profession, ton appel, ton prénom et pourquoi tu es là. Alors, du coup, je m'appelle Bénédicte, ou Béné pour les intimes, ou Ruby, ou Gloriane, ou Fika. Je suis congolaise, j'ai 25 ans, oui, j'ai 25 ans, je suis infirmière. Et les infirmières, coucou, hein, coucou. Et puis... Vous n'avez pas une émission de témoignage avec les infirmières? Oui, alors par rapport au passage inter, les infirmières, c'est vraiment terrible de ce qu'on vit là. Oui. T'es prête à le feu aujourd'hui? Ah oui, mais j'ai mis ma crinière là. Ah oui. C'est peut-être aussi un débat de société, les garçons, eux. Les garçons, eux. C'est original. Bon, après, Archimède, Bon. Original, après on sait pourquoi tu... C'est original, Simon? Oui, c'est original. Très original. Non, je parle de toi. Ah, moi? Oui. Oui, tout le temps. Tout le temps original, 100% authentique. Oh rien God. De oh, stop, stop. Des vrais cheveux. Oh, les cheveux, oui, bien sûr, comme vous voyez. Mais qu'est-ce que... Authentique. Qu ok, bah donne le micro à Océane. Donc Béné, tu vas prendre Océane, vas-y. Voilà. Bonjour, moi c'est Océane. Non, bah non, t'as oublié. Oui. T'as oublié. J'ai oublié. D'où tu viens? Enfin, on avait dit quoi? Ah, ok. Oui. Toute l'émission, en fait, elle doit prendre un accent. Bonjour à tous. Je m'appelle Océane, j'ai 20 ans. Et je suis originaire du Cameroun, du côté de Douala, pour ceux qui connaissent. Je suis venue dire aux garçons, aujourd'hui je ne blague pas avec vous. Je suis venue vous démontrer qu'aujourd'hui les filles vont gagner. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Ok, et on va finir avec... Voilà. Moi, Naomi, aujourd'hui, là, je vais parler le français de Molière. Déjà, les gens me connaissent parce que j'ai la bouche. Aujourd'hui, on m'a laissé parler. Attendez, attendez pour voir. Je vais parler. Ok, waouh. Ok, bah. Voilà. Waouh, ok. Bah, moi, je m'appelle Rémi, j'ai 32 ans. Oh mince, j'ai dit mon âge. C'était un mystère jusqu'à là. 32. Ok, j'espère donc que vous allez bien. Alors, on va commencer, écoutez, chers internautes, ça va être, je vous présente le plan de l'émission. On va commencer avec un débat, ok? Parce qu'on est venu pour débattre. Oui. Ah, mais oui. Dans débattre, si t'enlèves D, il y a battre. Hein? Voilà. Hein? Il y a bagarre. Voilà. Ok, j'espère que vous éteignez vos micros à chaque fois que vous parlez. Ok. Oui, Archimède? Oh. Oui. En fait, c'est marrant, c'est Archimède, mais c'est lui qui fait les bruits. Okay. Aujourd'hui, ça va débattre. Et après avoir débattu, pardon, on va faire un petit jeu pour voir vraiment qui sont les meilleurs entre les filles et les garçons. Ok. Un jeu qui ne demande pas de certains actes physiques, sinon on sait qui va gagner. Et un point pour les garçons. Hey non, c'est hey voilà, et on va débattre. Et ensuite, après le premier débat, on aura donc un débat interactif où les internautes pourront poser leurs questions et pourront lancer un débat dans le chat. Ok, vous allez débattre avec nous dans le chat aujourd'hui. Et ensuite, on aura un petit jeu et on va clôturer avec le débat final. Et avec moi, débat final. Et on va commencer sans plus tarder avec notre rubrique. On va la lancer maintenant. C'est le Let's Talk. Fresh. Ok. Déjà, je vois dans le chat, déjà, Lina dit « Heureusement que je suis pas là. J'aurais parlé créole. » Oh Mince. Alors, on va commencer avec un premier débat. Et vous savez même, je vais même pas lancer un débat. Je vais d'abord vous demander, les filles, là, on est vraiment dans l'optique de couple. Qui est en couple ici? Tout le monde est célibataire ici, mais justement c'est bien parce que si vous étiez en couple, peut-être que vous n'arriveriez pas à tailler les filles parce que votre copine là se dirait oh là là, mais à l'émission tu es passé, tu as pris votre tête encore. Voilà, parce que souvent les filles sont prises de oh mince. Tu dis il a blessé. Lui, il a offensé. Il a offensé. Non, je rigole. Mais aujourd'hui, je vais d'abord commencer avec une première question. Les garçons, qu'est-ce que vous reprochez aux filles? Et les filles, qu'est-ce que vous reprochez aux garçons? Allez-y. Moi, je distribue la parole. Aujourd'hui, je ne parle pas, je fais que de la distribution. Et il veut commencer. Moi, je reproche aux filles de trop parler. Tout le temps. Pia. Tout le temps parler. Vous arrêtez pas. C'est vous qui ne savez pas communiquer. La communication, c'est important, c'est même vital. Vous ne savez pas communiquer avec les gens. Quand on parle à quelqu'un... On t'a jamais dit tu communiques trop? Attends. Oh! Oui, attends. Excusez-moi, Samuel Eto'o. Il veut parler, Archimède. C'est vrai que des fois, il y a un problème de communication. Mais des fois, parce que vous voulez toujours avoir raison. On a toujours raison. Toujours. Bon. J'ai senti, tu croyais pas en ce que tu disais. J'ai senti. Tu prenais pour quelqu'un de marié alors que tu es célibataire, tu vis avec Gulli à ce moment. Tu vis avec Gulli mais éteint en ce moment. J'ai senti. Qu'est-ce qui se passe, Archimède? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessures. Attends, qu'est-ce qu'Annika t'a fait, Archimède? Parle-nous. Ok, aujourd'hui, nous recevons dans Faites entrer le blessé Archimède Baloumboussois. Tu as été 3 ans ou 2 ans avec Annika, c'est ça? Elle voulait toujours avoir raison. Vas-y, confie-toi aujourd'hui. Elle voulait toujours avoir raison. Est-ce que tu as une anecdote où elle voulait toujours avoir raison? Oui. Oui, vas-y, raconte. Bonjour, j'avais pas forcément tort. Et elle voulait toujours avoir raison. Oh, l'anecdote! Waouh! Vraiment, franchement, c'est l'émission qui passe à 61, là, ou TNT, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, les 30 histoires les plus mystérieuses. Oui. Ah, bah, les 30 histoires les plus pourries. Bah, c'est quoi ça? Voilà, un point pour les filles. Voilà. Ah, yes! Et ça, c'est le problème de communication. Voilà, ça, c'est. Mais Naomi, attaque, vas-y, attaque. Vraiment, les garçons, j'ai peur que vous n'ayez pas de répondant. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'un truc, excusez-moi, j'ai l'impression que les filles ont plus de réparties aujourd'hui. Ah bah là... J'ai même l'impression que les filles ont plus de réparties en général. J'ai l'impression que vous êtes un peu des buffles. Hein. Ah, d'ailleurs, je précise avant, je viens de m'en rappeler. Écoutez, pour tous ceux qui ont des besoins de prière, qui veulent pause, une alternance, un travail, se marier, qui en ont marre de leur femme qui veut toujours avoir raison, voilà, qui ont un besoin, peut-être qui ont un problème avec, avec une addiction, j'en sais rien moi, qui ont des oppressions démoniaques. Et il y a maintenant, dites avec moi, hotline. La ligne, c'est comme ça qu'on dit, hein, yes. Topline. Hotline. Il y a maintenant la ligne hotline qui s'affiche maintenant un numéro. Et il y a le 12 Alexandre, vous voyez, celui avec qui vous me voyez, Priya Problem, qui est là, juste là-haut dans les bureaux, en train d'attendre vos appels. Et s'il vous plaît, si vous avez des requêtes de prière, appelez. L'autre fois, il était là-haut, il dormait, le pauvre. Il était en train de totalement dormir. Donc, si vous avez une requête de prière pendant l'émission, n'hésitez pas. Maintenant, n'appelez pas. Allô, j'avais compris pour Archimède. Je n'aime pas ce qu'il dit sur les femmes. Non, faites pas ça. Mais si vous avez besoin matériel, j'en sais rien, émotionnel, relationnel, relatif, spatial, nationaute, la NASA, appelez, il n'y a aucun problème, c'est la hotline. C'est de midi à 15h, donc même après l'émission, ok? Donc même vous, à la fin, si vous serez blessé, vous pourrez appeler, Alexandre, le numéro qui s'affiche, ok? Ok, donc on disait, donc oui, bah alors je vous écoute. Moi, j'aimerais parler du fait que plus les années passent, et plus j'ai remarqué dans cette génération, les hommes ont un problème avec la galanterie, avec le respect, avec... Speak louder. Il n'y a plus de gentlemen. Maintenant, vous êtes des buffs. On vous dit maintenant, vous allez parler des fois, vous êtes content. On va dire, mais attendez, mais non, on va être chic un petit peu, on va être classe. Vous, c'est brut, vous avez un manque de classe. Donc voilà, moi, je vous survêtement. Moi, je voudrais parler. On ne peut pas être galant avec des femmes qui ressemblent de plus en plus à des garçons. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a besoin d'air. Ça, c'est un point pour les garçons parce que. Excusez-moi. Jessie, viens ici, s'il te plaît. Oui, oui, Jessie, viens. Oui, tu peux venir, Viens, Jessie. Oui, excusez-moi. Jessie, viens, retourne-toi. Quelle est la différence de style entre Jessie et Archimède aujourd'hui? Oh non! Excusez-moi, tu peux te rassurer, merci beaucoup Jessie. Excusez-moi. Quelle est la différence de style aujourd'hui entre Océane et William? Excusez-moi. Quelle est la différence de style aujourd'hui entre Ethan et Nirina? Excusez-moi. Donc à un moment donné, je comprends les garçons. Je ne suis pas du côté des garçons, bien sûr. Panique. Mais c'est ça le problème pour moi, parce que vous faites attention. Non, en vrai, c'est style aussi boyfriend. C'est style. Et oui. Donc Jessie, t'es très bien habillée, t'inquiète pas. Yes. Oui, non mais pour moi c'est un problème parce que... Oh my god! En fait le respect ne dépend pas de la personne que tu as en face. Tu sais que c'est une femme, tu as le respect qui va avec. Pas parce qu'elle a un jogging, tu vas avoir plus de respect. C'est Fresh hein? Yes! Ok, non, parce que... Oui, oui. Parce que là t'es sur là, elle est sur LCI, LCL... LCL... Monsieur Zemmour! Alors le racisme en France, Monsieur Zemmour! On m'a des débats, c'est comme ça que je débat, vraiment. Oui, vas-y. Pour moi ça dépend pas de l'habillement, sinon c'est ça en fait qui montre que tu n'es pas un homme. Tu es un garçon pour moi. Et un garçon, c'est celui qui n'a pas de respect et qui ne sait pas faire la différence. Voilà. Ok, passe à Simone. Allume le micro, allume. Attends, à vérifier, je vois le micro, t'as allumé, pardon. Qu'elle a les filles sont chaudes. C'est pas parce que t'es tombé sur des gars qui te manquaient de respect qu'il faut généraliser toute la terre en fait. Oui, mais ça, c'est une phrase de lover, mais il t'aime. Il s'est trompé de lieu. Il a pas compris d'émission. En vrai, il a raison. Attends, continue, Steven. Arrête, Mathieu, de voler le micro aux gens. Vas-y, t'as été blessé par certains garçons dans ton passé et tout. Mais c'est parce que toi, t'as choisi la mauvaise personne. C'est pas parce que ceux qui sont en face de toi sont des garçons. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont irrespectueux. Fallait choisir la bonne personne, c'est tout. Désolé. Mais bon, là, mais oui, mais là on est là pour. Les garçons devant là, vous ne parlez pas de tout à l'heure. Oui, on parle. Mais parce que par rapport à ce qu'elle a dit, c'est vrai que. Il aime que les jeux, lui. Il s'en fout des dégâts. Là où il n'y a pas un jeu, là où il n'y a pas la parole, lui. Oui, les filles. Oh, une fille. Oh, une fille. Oh, je parlais à une fille. Oh, je touche. Vas-y, vas-y, oui, vas-y, vas-y. Non, bah, je sais pas. Moi, j'aimerais juste dire une chose. Ok, vas-y. Les filles sont trop compliquées. Attends, d'abord, on est sur la galanterie. La galanterie. Oui, voilà. Bah, c'est peut-être parce qu'ils sont trop compliqués. Oh, vas-y, continue, avance. Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être galant avec quelqu'un qui... des 2 heures pour choisir comment s'habiller. Oh. T'as choisi que tu sois avec un homme. La vérité, sois honnête. Non, la vérité... bon, vaut mieux prendre 2 heures pour s'habiller, être bien habillé, que prendre 2 minutes et... Merci, voilà. Voilà. Donc en fait, c'est quoi un point pour les filles? Allez, voilà. Allez. Bon, c'est vrai, non, par contre, un point pour les garçons parce que vous prenez trop de temps. Voilà. Non, vous prenez... non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, moi, j'ai jamais vécu avec une fille, mais je vois à la télé, là, les filles prennent trop de temps. Dans les films. Et je pense que c'est la vérité, non? Si. Moi. Attends, juste dans Fresh, là. Juste dans Fresh. La différence de temps de maquillage entre moi et toi, là. Ah. Attends, je te pointe du doigt. Oui, toi. Toi, là. Toi, quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas. Ça vaut le coup, quoi. Hein? Non, c'est pas ça. C'est une fille, mon frère. Les filles, ça prend longtemps à être maquillée, frère. Les filles, quand Nirina est au maquillage, Nirina, toujours là. Non, j'aime pas ça. Alors que moi, je m'en fous. Ah oui. Les filles, c'est quoi? Un point pour les gars. C'est compliqué. Oui, je vous écoute. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ce que je veux dire, vaut mieux mettre 2 heures et être bien, comme il a dit, préparé, que aller dehors, sentir la transpi, parce que même mettre du déo, il y a du mal. Excusez-moi. Attends. Tu parles de son contour, tu as le droit de demander à Archimède d'enlever son durag. Ami. Bah, j'ai pas spécialement de parler de contour, je pense qu'on va venir après, parce que c'est encore autre chose. Mais les déodorants, ça passe vraiment 2 secondes. C'est-à-dire pchit, c'est vraiment fini. Après, le truc, c'est que moi... Non, le truc, c'est que la vérité, frère, la vérité des vérités, les garçons puent. Merci. Moi, personnellement, je suis un... Moi, personnellement, excusez-moi, parce que je veux vraiment me défendre, je sens tellement bon, c'est incroyable. Oui, ça, c'est vrai. C'est une grâce. Moi, personnellement, je sais pas vous, les garçons, voilà, je suis côté du fille, on m'a déjà arrêté dans la rue pour me dire que je chantais bon. Ah oui. C'est dire à quel point c'est rare qu'un garçon sente bon. C'est ça, clairement. On l'a arrêté. Ah, c'est vrai, en plus. On l'a arrêté. C'est que vraiment... était choquée. Exceptionnel, quoi. C'est vrai en plus. Donc, on m'a déjà dit que je puais le parfum. Vous? Enfin, certains ici. On vous dit rien. Vraiment là, on vous dit rien. Et là, je sais qu'on parle d'un garçon qui est maintenant à côté de moi et qui sait que je parle de lui. Et qui sait que je lui ai offert des parfums et déodorants. Et il sait que c'est lui. Je ne dirai pas son nom. Je mets un point pour les filles parce que c'est vrai que les garçons souvent puent. Continuez sur ça, les filles. C'est vrai que les garçons manquent d'hygiène, excusez-moi. Clairement. Remettre le même t-shirt alors que hier, t'as joué au foot. Oh, c'est bon. Oh mon Dieu! En plus pour être goal, c'est bon. Il se lave pas après le foot. C'est-à-dire que dans ton lit là, ça pue. Ton micro allumé? Oui, parle plus fort. Non mais ça pue la transpire. C'est-à-dire que tu viens dans ton lit, tu t'allonges comme ça et tu pues. Ton lit pue. Tu pues. Oh, je vais même pas passer à côté dans la chambre. Mathieu, t'as vraiment une tête à faire ça, toi. Depuis, il parle plus. C'est pour ça qu'il dirait. Il parle plus. Il prend plus le micro. T'inquiète. Ok. Moi, je parlais des filles qui portent des tissages pendant des 6 mois et qui les lavent pas. C'est pas fini. Elle pue du crâne. C'est vous mèche. Les mèches gâtées, gardées pendant je sais pas combien de temps. Ça sent. Ok. D'accord. Tu parles des mèches. Attends. Oh. Par quoi? Par témoignage? Oh, s'il faut parler là. On parle donc de Fruidolia. Vas-y, quoi. Écoutez. Avant, tu vas dire non, mais nous-mêmes, c'est tout. Avant sa conversion, où il était en couple avec une fille, qui elle aussi s'est convertie, qui est en Christ, et qui voulait faire l'émission aujourd'hui d'ailleurs. Et ils sont en très bons termes maintenant, j'espère pas non plus trop bons termes. Et donc voilà, mais vas-y alors, par témoignage. Oui, c'est pas elle dont tu parles, oui, c'est ça. Oui, vas-y alors, par témoignage. Par témoignage, vraiment... Par contre, vu comment tu poses ton coude sur la cuisse de Mathieu, si tu veux pas aller dans ce moment-là, viens avec nous, je pense. Tu peux aller ainsi. Jamais. Ok, vas-y, alors. Après, par témoignage, je me rappelle quand j'étais dans le monde, j'avais capté une fille. Oui, voilà, c'est ça. On sait qui, mais vas-y. C'est bon, vraiment, on sait qui c'est, mais vas-y, oui. On va l'appeler Mireille? Mireille, voilà. Vas-y. Non, j'avais capté une fille. Mireille. Et ses mèches, ça se voyait qu'elle n'allait pas. En fait, ça sentait une odeur. Vous connaissez l'odeur de poisson? C'est dire que c'est vrai, nos habits et tout, etc. Vous pouvez parler des questions par rapport à ça. Ouais, c'est vos cheveux. Regarde, vos cheveux, c'est comment? Moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, je m'explique direct. Moi, j'ai quelque chose à dire. Ok, pour les cheveux, là, c'est indiscutable, c'est sale, c'est mauvais. Mais à un moment, de quel côté? Quand toi, t'es un garçon, les contours, ça coûte 5 €. Tu n'as pas contour de toute l'année. Comment tu fais? Le visage, attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Archimède? Oui, c'est bien les cheveux, les cheveux, les habits, mais les filles avec des poils. Oh, c'est bon, ça a 10 minutes. Ça va, ça va 10 minutes. Merci Archimède. Attends, je vais essayer. Excusez-moi, excusez-moi. Par contre, je suis obligé de réagir ça. Vraiment, moi, je suis du côté de la justice. Bah, merci. Ok? Yova Tsiknedou, ok? Vraiment, je suis du côté de la justice, ok? Elle est lionne. Je suis vraiment du côté de la justice aujourd'hui. Écoutez, entre ne pas avoir des contours faits, vous savez, c'est parce que t'as pas de contour fait que t'as pas les cheveux propres. Mmh. S'il vous plaît. Donc, excusez-moi, attends, du coup, parce qu'on peut mettre ton micro sur mute en 2 secondes. Entre ne pas avoir de coupe, mais avoir les cheveux propres, et avoir une coupe, mais avoir les cheveux sales, j'ai fait mon choix. Thank you. Ouais. Voilà. Allez, hop là, un point pour les gars, ça passe à 5. Attends, continue sur les cheveux, les contours. Oui, maintenant c'est vrai que oui. Bon, allez-y, c'est vrai. Ça coûte 5 € et ça dure 15 minutes. Ça coûte pas 5 €. Ça coûte pas 5 €. C'est la preuve du manque de connaissances. Ok, pause, écoutez. Non, c'est parce que 10 € parce que ton coiffeur à toi, il coiffe les yeux fermés. Vas-y, avance. Merci. Ça, c'est la preuve du manque de connaissances. Voilà. Les contours. Déjà, vous manquez de connaissances. Voilà. Déjà, c'est la preuve que les filles ne s'occupent pas de savoir l'autre. Oh my god. De connaître l'autre, le prochain. Et en fait, les contours, c'est quelque chose de très technique. Et quand les cheveux repoussent, ça repousse vite. Voilà. Et donc, il faut payer tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est facile de mettre une perruque, excuse-moi. Voilà. Oh là là. Ça faut le dire. Je pense qu'on est sur un débat sociétal. Parce que quand on enlève et qu'il y a les nattes, voilà. Et que les nattes. Et vous grattez la tête comme ça. Vous tapez comme ça là. On a marre de tatines. On a marre. Excuse-moi, Ethan. Excuse-moi, Ethan. Un jour. J'ai vu une sœur occulte, elle s'appelait Carole. Le soir même, elle a enlevé sa pépé, c'était Kylian Mbappé. Excuse-moi, Ethan. Zut en fait. Excuse-moi, Ethan. Il y a des joueurs du PSG beaucoup à droite. Ah oui. Ah oui, on sait pas. Excuse-moi. Ce qui se cache derrière le voile. Oh, tu déchires la perruque. Car tu as... Moi j'ai quelque chose à dire. Enfin, ça parle de perruque, etc. Que... c'est vrai que les mecs, hélas. Viens, viens, attends. Fais un peu des. Vas-y. Ah oui, parce que tu peux te vanter. Vente-toi. Voilà. Mais pour parler. Quelle origine? Cap-verdienne portugaise. Wow. Et un peu de sang indien, n'est-ce pas? Oui, un peu. Mais pour parler de perruques, je suis désolée, ça parle de perruques, ça critique les perruques, mais vous sortez avec des filles qui portent des perruques. Est-ce qu'on a besoin de volume? Mais non, parce qu'en fait, je suis désolée, parce que dès le moment où tu sors avec... T'as dit quoi? Je sors avec personne. Voilà, j'allais dire ça. Amen, en fait. Voilà. Et ensuite... Ah non. Voilà, donc déjà, c'est un homme, donc il a le droit de parler plus que toi. Oui. Arrêtez les machos. Il a validé le fou. Non, moi, je suis pas macho. Elle veut le lancer. T'as le droit. Moi, je suis pas macho. Moi, je suis du côté, moi, je suis de la justice. Vas-y, Jessie, moi, je crois aux femmes. Moi, je disais qu'en fait... Je pense que le droit de vote des femmes n'aurait pas dû être accordé en 1941, mais aurait pas dû être accordé tout court, voilà. Oh là là. J'ai vu un sketch avant sur un macho. Je sais pas si vous voyez un gars, là. Il est comme ça. J'aimerais dire aux femmes... Non, vous avez jamais vu? Non. Non. Oh, il y a un bruit. Oh, peut-être c'est une femme qui a appuyé sur un bouton. À votre avis, c'est un homme ou une femme qui a appuyé sur un bouton? Non, c'est une femme. Je rigole. Non, je rigole, vas-y, Jessie. Je disais, en fait, dans un premier temps, enfin là, on parle de quand on était dans le monde, etc., parce qu'on a dit au début que tout le monde était célibataire, mais enfin, dès le moment où tu as vu, vrai, par exemple... avec des filles avec des perruques. Voilà, et dès le moment que tu as vu la personne, par exemple, tu as vu sur Instagram ou quoi, tu l'as vu dehors, tu savais qu'elle avait une perruque. C'est-à-dire, tu sais ce qu'il y a en dessous. Tu n'as pas critiqué, toi-même, tu es venu vers ça. À ce moment-là, tu acceptes tout. Tu prends tout. En fait, pour répondre à ce problème de société, je pense que les garçons, en fait, et je parle même aux internautes, vous savez, hein, lorsque vous allez rentrer en cette période-là du couple et tout, vous devez accepter qu'il y ait des choses que vous ne savez pas, qu'il y ait des choses que vous ne voyez pas. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal, même dans le monde, à accepter ça. Vraiment, à me dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, dégueulasses. Vous voyez, j'aimerais vraiment qu'on aborde un sujet, les poils. Moi, je m'en souviens que j'ai découvert que les filles avaient des poils aux jambes en 3e, et c'était un choc pour moi. Vraiment. En fait, il y avait une amie à moi qui était tombée. Et du coup, elle s'était fait mal. Et du coup, elle relève son jean. Et quand elle relève son jeu, je dis, mais c'est mon tibia ou le sien? En fait, elle avait des poils aux jambes. Et je ne savais pas, en fait, à l'époque. Et c'était un choc. Quand est-ce que vous avez appris que les femmes avaient des poils aux jambes? Est-ce que c'était un choc pour vous ou pas? Oui. Oui. En fait, ça, tu te souviens de ce jour malheureux? Je me souviens parce que ça a été un choc parce que bah, moi je n'avais pas. Et à mon âge, alors. Il est bizarre, mais c'est ton problème à toi? Ah bah non, parce que du coup c'était pas un âge où on en a quoi. C'était quel âge? Je sais pas, c'était 10-11 ans. C'est l'âge. C'est l'âge? Quoi? Oui, c'est l'âge. Ah si si si. Ah pour vous? Ah pour vous? Non, 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 c'est l'âge. Ah bah peut-être parce qu'elle a vécu ça. Non, mais c'est l'âge. Oui Mathieu. J'aimerais rajouter une petite chose, j'ai même entendu dire que certaines mettaient des collants pour casser leurs poils aux jambes. Oh! 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 Naomi, Naomi, aujourd'hui on veut une explication. Naomi, aujourd'hui on veut que tu t'expliques. Non, non, non. Il va te mettre dans la sauce. Naomi, explique-toi. Alors qu'est-ce que tu caches en dessous du voile? En dessous du voile. Toi-même, tu as dit, il y a des choses que faut préserver. Préserver et qu'on ne peut pas toujours savoir. Elle est en train de valider l'hypothèse. Oui, elle valide l'hypothèse. Déjà, premièrement, montrez-moi vos aisselles. Montrez-moi vos aisselles. Vas-y, vas-y, Elias. Il y en a qui parlent pas. Vas-y, non, mais montre-moi. Vas-y. T'es pas obligé, tu veux? C'est dégueu. Voilà. Merci. Je vois rien, baisse un peu ce truc, je vois rien. Ah, t'es dégueulasse. Oui, mais excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Un garçon avec des poils sous les bras, ça passe, mais une fille avec des poils sous les bras, ça passe ou pas? Excusez-moi, les délires là de. C'est mon émission, c'est la vôtre. Excusez-moi, mais les délires là, non, les poils, je sais pas quoi, on s'en fout, on s'en fout. Toi, tu t'en fous en fait. Mais le couple s'en foutra de toi aussi. Le mariage aussi va s'en foutre de toi. C'est tout. Le célibat, par contre, t'intéresses bien à toi. Voilà, merci, allez hop. Là, c'est un point pour les gays. Un point pour les gays. Les pros des poils, les poils femmes, etc. Moi, je suis pas pour. Mais à un moment, il faut comprendre que vous êtes des humains. Et de la même manière, une femme a des poils. Il faut arrêter de voir des poils et crier. Je ne dis pas qu'il faut maintenant montrer. Point pour les filles. Moi, j'ai envie de rajouter une chose. Non, parce qu'il faut le dire. Quand des fois on regarde le visage, c'est Erika. Mais quand on regarde les jambes, c'est Eric. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Erika, même moi j'avais pas compté des personnes, des femmes. Mais non, mais j'ai très compris comme ça. Oui, c'est tout, c'est bizarre. Mais c'est qui tes amis? Mais franchement, tu traînes avec qui en fait? Oui, Steven, attends, Steven, t'as une révélation ou pas là? Attends, est-ce que t'as une révélation? Attends, mais il est. Mais jamais toi! Il est fou lui! T'as une révélation ou pas? Yes, j'ai une révélation. Ok, elle vient dans ton esprit. Toujours sur le même sujet. Dans ton esprit, tu l'as senti. Elle est montante, c'est un réma. C'est pour ça que j'ai pris le micro directement. Ok, tu vas prêcher aujourd'hui. Yes. Ok, j'aimerais qu'on fasse ce silence sur le plateau et qu'on écoute l'homme de Dieu, une révélation à l'idée. Listen. Ok. On va accepter les poils sur les jambes, vous cachez ce que vous voulez. Mais lorsqu'on voit le duvet sur en dessous du nez, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Le duvet en dessous du nez. La barbe. Ça, c'est un peu plus compliqué. On doit regarder dans les yeux, ne plus regarder les lèvres. Ça, moi, ça me dérange personnellement. On va accepter les jambes, mais la moustache, il faut raser. Moi, je veux rajouter quelque chose. La barbe aussi. Wow. Ouais. La barbe. Excusez-moi parce qu'on parle de contour, mais certaines défilent à vos pas bien encore. Des pattes, c'est non des pattes, vous le dites. Ah oui, des pattes. Oui, des panzani, mon frère, sur le côté. Oui, bah c'est vrai que le duvet, du coup. Oui, alors j'attends une réponse au niveau des filles. Moi, je me mets comme ça, excusez-moi. Là, je me mets comme ça. Là, je me mets comme ça parce que là, donc j'attends le duvet. Les filles, répondez s'il vous plaît, parce que comment personne, d'accord, je prends la parole. Moi, en fait. Non, maintenant, je veux juste dire quelque chose. Il faut faire attention à ça. On ne veut pas complexer une fille qui a du duvet. Amen. Le but, c'est pas de complexer quand on parle des poils et tout. Là, les garçons disent ce qu'ils n'aiment pas. Maintenant, la vérité, toi, tu es une fille, tu as des poils aux jambes, tu ne te rases pas. Eh, la vérité, gloire à Dieu. Eh, on s'en fout, mais à un point. Eh, soit t'as du duvet, ça dérange Steven. Mais jusqu'à preuve du contrat, tu as de mal avec Steven? Non. Eh, on s'en fout. Donc, on parle de ce que les garçons n'aiment pas chez les filles et tout. Mais si toi, bah, tu t'en fous que les garçons n'aiment pas ça. Au calme, sœur, au calme. Que personne ne soit complexé parce qu'il y a du duvet ou il est des pattes ou quoi. Par exemple, il y a des filles qui vont dire oui, j'avoue, c'est pas esthétique, je vais enlever. Mais si toi maintenant, tu t'en fous, mais garde. On n'est pas en train de dire il faut enlever ça ou quoi. Soyez libre, aucun complexe. Amen. C'est vraiment une base. Et même vous, les filles, hein, quand les garçons disent là, on accentue un peu parce que c'est l'émission, tout ça. Mais en vérité, est-ce que tu as déjà dit une fille regarde, t'as du duvet? Jamais de la vie parce que c'est méchant de dire ça. Et même en vérité, elle a le droit en fait. Enfin, comme je sais plus qui l'a dit, Naomi, c'est naturel en fait, donc elle est libre d'enlever ou pas quoi. Mais c'est vrai que c'est pas. Mais c'est vrai, faut pas complexer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une pilosité très forte en fait. Et faut pas complexer quoi à cause de ça. C'est pas grave. Mais c'est vrai, rasez-vous quand même. Ou je sais pas, faites quoi, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je voulais... Oui. Ouais, la difficulté d'être une femme dans cette société. Oh. Moi, je trouve... Oh, non, en vérité... Non, mais tu as quel âge? En 18 ans. D'accord. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses à dire. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses à dire. Non, mais j'ai vécu. Non, en vérité... T'as vu? Oh là là. En vérité, quand même, même si tu as 18 ans... T'as accepté le Seigneur à 17 ans, non? Oui. Oui, voilà. Voilà, bon, vas-y, Naomi. Mais quand même, j'ai pu observer ça dans ma propre vie, la vie de mes soeurs et la vie des autres femmes. De ce oui, temps. Oui, c'est vrai. Et en vérité, même si on en rigole, etc., être femme, c'est pas facile. On a beaucoup d'attentes qui ne sont pas faciles. Non, en vérité. Regardez, si on regarde tous vos critères, faut épiler les bras, faut épiler les jambes, faut épiler le visage, faut épiler le ventre, faut épiler les oreilles, faut tout épiler. Maintenant, après, arrête, faut bien se... Non, je veux dire, je suis dans l'excès, mais pour vous dire que après, il faut savoir bien se maquiller, mais pas trop se maquiller, avoir une belle peau, mais pas trop être trop naturelle, avoir de beaux cheveux, mais attention, ne change un petit peu de cheveux, sinon c'est un petit peu redondant. De savoir avoir du style, mais n'attire pas le regard, sinon t'es bizarre. Ne ressemble pas trop à un garçon, mais c'est bien l'oversize, mais pas pour toi. On va où? Deux points. Non, il faut mettre deux là. Il faut mettre 2 points là. Je mets 3 points parce que moi, garçon et Archimède, on est d'accord. Vraiment, vraiment désolé, 3 points. Ah non, vraiment. Non, quand elle a dit oversize et pas trop garçon, j'ai dit purée, la fille, elle parle trop bien. C'est vrai, pourquoi t'as clamé alors? C'est la vraie. C'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bah c'est vrai. Bah oui. Non, en fait, le truc c'est quoi? C'est que la vérité, je pense que dans la relation, là, en fait, c'est parce qu'il y a différents garçons. Lui, par exemple, qu'est-ce qui est rédhibitoire chez toi pour une fille? Admettons. Vas-y vite. Ouais. Qu'elle ait des poils à moustache. Qu'elle ait une moustache. Ouais. Toi, c'est quoi par exemple, Archimède? Qu'elle pue. Admettons. Par exemple. Le truc c'est quoi? C'est qu'il y a des garçons qui vont accepter des poils à la moustache et il y a des garçons qui vont accepter que tu pues. Enfin bon. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, comme c'est plein d'avis différents, ça fait beaucoup d'exigences. Mais en vérité, lorsque sera votre saison, sera cette période, la personne vous demandera, je pense, pas autant d'exigences que ça. Vous comprenez? Parce qu'en fait, on demande des exigences selon ce que nous-mêmes on fournit. Toi-même, là, t'es pas beau, peut-être. Donc, comment est-ce que tu... Enfin, non, c'est pas... Enfin, t'es pas une gravure de mode. Va pas non plus être trop exigeant. En fait, demande selon ton niveau. Voilà. Je pense que ça, il faut être équilibré, quoi. Tu demandes selon ton niveau. Regarde, par exemple, Archimède, si t'enlèves le durag, là, frère, voilà. Non, mais... Donc toi, tu peux pas demander à une sœur, coiffe-toi bien, parce qu'elle-même va te regarder à faire. Et elle pourra dire, on récolte ce qu'on sème, hein. Ah, peut-être que ça s'envolait. On récolte ce qu'on sème, Archimède. Tu vois, tu récoltes une belle coiffure si toi-même t'es bien coiffé. Tu vois. Mathieu, oui, Mathieu est coiffeur, c'est pas qu'il est bien coiffé. Alors, je rigole, Mathieu est très bien coiffé. Je disais, non, donc voilà. Bon, bah, franchement, j'ai plus rien à dire. Vraiment. Bah, je pense qu'on finit l'émission sur ça. Parce que vraiment, là, je rigole. Bon, les autres, là, vous existez ou pas? Oui. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des aspects physiques qui sont très, très importants. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler du caractère. Parce que c'est vrai que dans le caractère, il y a une partie à supporter en fait. Il y a quelque chose qu'on doit supporter chez les filles. C'est le fait qu'ils parlent beaucoup, comme on a dit au tout début de l'émission. Elle parle beaucoup. La vocalisation, c'est compliqué. Bah, voilà, déjà, ils parlent beaucoup. Elle. Mais. Ah oui, non, c'est vraiment macho. Lui, pour lui, il n'y a que il. Oui, c'est un défaut de langage. Hein? Non, vas-y. J'aimerais aussi relever un petit point sur les filles. C'est que c'est vrai que parfois, des filles qui sont très sensibles et quelqu'un qui. Avec le caractère un peu. Voilà. Bah, il peut pas supporter une fille très sensible. Oh, si je te dis, ça va. Elle pleure en fait. Si tu dis, là, t'arrêtes. Elle pleure tout le temps. On a un moment donné. Si on reprend une personne, elle pleure, elle fait que de pleurer. Sa vie c'est pleurer. C'est bon. Voilà. Sa vie c'est une pleurine. C'est pleurer. Ah, sa vie c'est pleurer. C'est pleureuse. Voilà. Votre réponse? Il y a des garçons qui pleurent aussi. Oh non, non. Oui, bon, mais toi, je sais pas c'était qui tes ex. Bon, en tout cas, c'était pas des ex. Est-ce qu'on dit ça? Non. J'ai pas dit fréquenter ces personnes-là, j'ai dit qu'elles existaient. Florent Balmont, là. Moi, je pense juste que, oui, c'est pas. Il faut pas être dans l'excès de l'émotion. Mais je pense que aussi les garçons ont un problème des émotions. Vous êtes trop froid. C'est que vous allez dire quelque chose, vous allez être froid d'une manière, alors que vous savez que la personne attend quelque chose de vous. Mais pourtant, vous n'allez rien montrer. Et pour moi, Bien sûr, il faut avoir un équilibre, mais être froid, ça revient souvent chez les garçons. C'est vrai qu'en fait, il y a un problème. C'est qu'en fait, les filles sont trop sensibles généralement, et les garçons sont trop buffles, trop froids généralement. Et en fait, les filles, des fois, sont trop émotionnellement, bah voilà quoi, sensibles, et les garçons, pas assez. En fait, il faut un juste milieu, je pense. Vous comprenez? Et il faut ce qu'on appelle intelligent émotionnel. Ça veut dire qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est tu comprends les émotions de l'autre et tu agis en conséquence. Tu vois, aussi, toi, t'es un buffle. Tu vois qu'elle pleure comme ça, comporte-toi différemment. Mais franchement, tu vois, sinon t'es un buffle. Tu vois qu'elle pleure. Elle pleureuse là, charnel. Ah, c'est moi ça. Charnel, tu pleures, bah pleure encore plus. Mais c'est vrai, qu'il y a des excès, excusez-moi. J'aimerais qu'on parle un peu des blessures. William, tu as lancé le débat du caractère. Parlons un peu des blessures des filles là. Tu dis, ah mon Dieu, un jour j'ai dit à une fille, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, le sang de l'agneau. Attends, un jour j'ai dit à une fille, oh là, ton pantalon, j'aime pas trop. Elle commence à pleurer et tout. Hey. C'est terrible. C'était une fille, hein, femelle. C'était un être féminin. Franchement, c'est pas terrible ça? C'est terrible. Si. Moi, j'aimerais parler. Voilà. En fait, bon, il y a les filles qui pleurent, mais il y a les filles qui s'énervent beaucoup aussi. Oh, Attends. Ça, c'est trop. Attends. J'aime vraiment qu'on fasse une minute de silence. Oui, amen. Pour toutes les femmes folles qui crient là tout le temps, qui s'énervent directement là. Oui. Quelqu'un disait les vaches folles. Je rigole, désolé. Oui, vas-y, vas-y. On vous fait une remarque. Oh mon Dieu. Sur, par exemple, un habit. Non. Vous allez dire, eh mais nanana. J'aimerais citer le grand Thomas N'Gijol en disant les femmes folles. Il les appelle les femmes folles. Il n'y a plus de Nutella, je me casse. Voilà. Ça, c'est les femmes comme ça. Vas-y. Donc, en fait, on peut communiquer avec vous, mais des fois, vous vous énervez trop. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et ça... Oh, les folasses. Ça, oui. Ça, c'est des folasses. Ça, c'est des folasses. On en a marre, en fait. Des cagoles. On en a marre. Des cagoles. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Vas-y, vas-y. Pourquoi, quand elle parle, après, ça va plus vite que tes pensées. Oui. Voilà. C'est-à-dire, le débit est tellement important que ça va plus vite que tes pensées. En fait, c'est pas ça, c'est juste que les garçons, ils ont pas de répartie. Voilà, voilà, voilà. Non, excusez-moi, mais en fait... Tu aurais un radar, tu te serais fait flasher. Excusez-moi. Roule à 200. En fait, c'est juste que vous n'avez pas de répartie, en fait. Et vous prenez trop de temps, en fait. En fait, vous voulez nous piquer, mais quand vous vous pique... Excuse-moi, attends, excuse-moi. Attends, attends. Ah oui, c'est bien, on sait quoi. Waouh. Il y a le calme, vous avez vu. Dédicace à Eric Judor. Toutes mes blagues là, c'est que des films. Non, c'est vrai, c'est vrai que les garçons manquent de répartie. En fait, vous n'avez pas de répartie. Du coup, en fait, vous vous aimez trop à venir en mode frontal, mais quand vous tombez sur quelqu'un qui vous répond, vous prenez trop de temps à répondre. Vous n'avez pas le temps, mais Dieu. En bonne année, quand tu attaques quelqu'un, il faut avoir les arguments aussi pour continuer. En fait, le problème, c'est pas le manque de répartie. Le problème, c'est qu'on n'a pas médité avant de venir voir la personne. Mais nous non plus. Mais en fait, nous, on n'a pas médité. Les filles, là, ils méditent pendant une semaine. Et après, ils viennent te voir sur la chose qu'il a médité le lundi. Puis le mardi aussi. Quand elle faisait la vaisselle, elle réfléchissait à ça. Et puis, ils viennent te déballer ça dans la tête comme ça. Alors que toi, tu pensais à rien d'autre que faire du sport. C'est vrai que non. Il y a un problème chez les filles qu'il faut assumer. En fait, les garçons s'en foutent de vous, un point, vous n'imaginez pas. Non, désolé, désolé. Non, écoutez, non, je vais expliquer. Non, je parle en tant qu'homme. Je parle en tant qu'homme et je pense que les garçons ici, vous êtes d'accord. À part Steven, qui ici pense juste à Zouklov, ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parle vraiment. Moi, vraiment, je parle en tant que garçon. Vraiment, un garçon qui aime une fille ou qui est en couple avec une fille. Il va pas, enfin je sais pas, après peut-être que vous là, peut-être vous avez un string, je ne sais pas. Mais, oh mince, non, personne string aujourd'hui. Vous êtes tous des caleçons. Un bon boxeur. Ok, est-ce qu'une fille a un boxeur ici aussi? Parce que j'ai appris qu'il y a des filles qui mettaient aussi ça, excusez-moi. Ah oui, il y en a, oui. Techniquement, il y en a ici. Il y en a beaucoup. Techniquement, statistiquement, il y en a. Nirina. Non, non, non. Tu faisais du rugby. Non, jamais de la vie. Toi, tu faisais du rugby, Bah quand je faisais du... Non mais quand je... Non mais attendez... c'est pas le débat, on s'en fout. Pardon, restons dans la sainteté. Je disais juste... En fait, le fait est que... Non, William, c'est vrai, c'est qu'une fille, par exemple, moi je m'en souviens, un jour et tout, j'étais au culte et tout ça, et moi je regarde un peu tout le monde. Parce que bah, je suis comme ça, quoi, je sais pas, j'aime bien les gens, quoi, je regarde un peu tout le monde. Et un jour, il y avait une fille, bah moi j'ai regardé, comme là je vous regarde, vous comprenez, et... cool, quoi, cool Raoul, hein. Et du coup, la personne a commencé à croire et tout. Oh là là. Oh my God. Il m'a regardé, c'est que ça, un garçon pense ça. Enfin si, je connais des garçons, je ne vais pas dire des noms ici. Ah, oui. J'en connais deux là. Oh mon Dieu. Mais certains là qui regardent là, vous savez de qui je parle. J'en connais deux là, je demande la barre. Il y en a que j'en connais deux là qui pensent comme ça. Oh, elle m'a regardé, elle est amoureuse, je savais, purée. Mais il y a beaucoup de filles, vous êtes comme ça. Vous pensez trop, alors que le garçon s'en cogne. C'est Archimède est là. Archimède va te regarder. Et dans sa tête, il va dire, pourquoi Naomi a des boucles d'oreilles qui tournent? Tu vois? Et toi, tu vas dire, il m'aime. C'est vraiment un des... C'est pas, les gars, c'est la vérité ou pas? C'est incroyable. Les garçons, il y a beaucoup de garçons, ils s'en foutent de tout. C'est même ce qui est propre aux garçons. C'est que les garçons, ils veulent juste la paix. Ils s'en foutent. Simple. Ouais, tu es là, ah, peut-être qu'il pense à moi. Il est comme ça et tout. Ah, il doit être en train de penser à moi. Alors qu'il s'est puré. J'aurais pas dû prendre les Converse là en blanche. C'est exactement ça. C'est vrai ou pas, les garçons? Mais c'est terrible. Oui, Archimède. Oui. Ok. Tu dis qu'il y a une anecdote. Attends. Je laisse passer le sexe fort. Parle de sexe fort. Pardon. Rigole. Archimède, est-ce que tu as une anecdote peut-être où ta copine croyait que tu pensais à quelque chose alors que toi... Des fois, oui. Oui. C'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Oui, vas-y, assume. Meurs toi-même. Vas-y. Parle fort, n'hésite pas. En fait, un jour, j'étais avec une fille. Oui. Une copine. Oui. Une meilleure amie. Une amoureuse, quoi. Bon. Oui, et donc? Et du coup, elle pensait que je faisais des trucs et tout. Genre, elle pensait que, voilà. Que t'étais intéressé? Ouais, que j'étais très intéressé et tout. Ouais. Alors que moi, dans ma tête, c'était mon ami. D'accord, et ensuite? Et rien d'autre. Et du coup, on a fait une crise et tout. On a commencé à vraiment s'embrouiller, tout ça, à cause d'une fille. Alors que moi, dans ma tête, je m'en... C'était juste ton ami, t'en foutais d'elle. C'est une amie. Pour moi, c'est un garçon. Pour toi, c'est un garçon? Oui. Ah oui, voilà. Mais moi, des fois, vous interprétez mal les choses. J'aimerais bien rebondir sur ton histoire parce que des fois, en fait, le problème, c'est que la fille, elle réagit très rapidement parce que toi, tu ne remarques rien. En fait, parce que des fois, vous ne faites pas attention à la situation. Elle va voir certains gestes. Toi, tu ne vas pas voir le geste. Il n'y a rien. Vous ne faites pas attention. Tu montres tout. Faites des gestes. Tu ne fais pas attention. Il est vrai. Moi, je vous connais. Non, mais c'est relation de gars et... Le problème, c'est que la sensibilité des filles fait que... Et elles sont un peu trop... Excusez-moi, je prends position un peu. Mais quand j'ai vu l'émission Push Me Up avec l'apôtre, l'apôtre est un homme, et l'apôtre aussi a pris un peu position, donc je suis un vrai fils. Ça, c'est pour justifier le machisme, ouais. Les gars, quand vous êtes macho, toujours une petite disquette, comme ça, ça passe mieux. Une lettre à la poste. Voilà. Un fils. Non, je rigole. Non, c'est vrai, mais souvent, par exemple, regarde, Naomi, donne-moi la main. Tu vois, tu te fais des films ou pas, là? Non. Mais il y a des personnes comme ça, oui. Des personnes, là, tu s'en fais exprès, tu les as... Oh, tu fais un sourire bizarre. J'espère que ce jour-là, le s'en fait exprès, là, je t'ai touché l'épaule, là. Il y a des gens, les gars, mais vous aussi, il y a des fois, il y a des garçons comme ça. On appelle ça des hommes-femmes. Vous voyez, on appelle ça des hommes-femmes. En fait, des fois, on peut seulement s'effleurer, là. Oh, ah. Je sens dans mon corps un désir. Seigneur! Oh mon Dieu! Oh, la sœur, elle m'a touché, je savais, c'est elle. Oh Seigneur! Parce qu'il y a beaucoup de filles comme ça, mais il y a beaucoup aussi de garçons comme ça. Donc au final je pense qu'on ne peut pas trop dire que les filles sont comme ça, parce que les garçons aussi, excusez-moi, vous voulez qu'ici je prenne des exemples de certains ici? Je connais ici l'histoire sur certains. Amen, amen. Dans le public, on m'a dit amen. 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 William, amen. Amen, non, mais c'est vrai, j'étais un peu comme ça. Attendez, je suis honnête. Non, c'est vrai qu'un jour, moi, personnellement, à raconter l'histoire, il y a une fille, je prends l'exemple de William, qui a commencé à kiffer William, tout ça. William ne le sait pas, il ne le saura jamais, je ne dirai jamais, vous comprenez? Une fille que je connais, tout ça. Et quand j'ai cherché à savoir pourquoi, la fille a commencé à croire, parce qu'il est très gentil, que voilà, quoi. Alors que non, il est gentil parce qu'il est rempli de l'esprit, quoi. Ah, mais... Vous ne comprenez pas la plénitude du Saint-Esprit, là. Alors, on vous écoute les filles. Non, des fois les garçons sont trop lents à la détente. C'est vrai ça. Genre vous comprenez les choses trop lentement. Ça c'est vrai. Et c'est ça le problème parce que en fait. Ok, attends, s'il te plaît Naomi, je pense que il y a la mère spirituelle tout le monde ici derrière qui va parler. C'est la mère dans la féminité, vas-y. J'ai vraiment l'impression que il y a 5 filles et il y a leur mère au milieu. L'ancienne, la doyenne, elle a un collier, c'est une doyenne. Vas-y la doyenne, dis, attaque les garçons. Non, moi en fait j'en ai marre parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est trop bête. Oh, ça c'est vrai. Non, par contre, il y a des fois. Non, on vous dit un truc. C'est vrai. C'est vrai. On met des exemples. Non, attends, laisse passer la mère. Laisse parler la mère. C'est vrai, Bénédicte, ce que tu dis, avance. C'est vrai que les garçons sont vraiment naïfs de ouf. Vas-y, Béné, avance. C'est que, je sais pas, on vous dit 1 plus 1. T'as dit quoi? Pourtant, c'est simple en fait. C'est ça, on a fait l'école ensemble. Enfin, arrêtez là. C'est vrai que les garçons, des fois... Oh, vraiment, là, je ne suis plus homme, là, je suis esprit. C'est vrai que les garçons, souvent, ne comprennent rien. Mais je veux dire quelque chose, les filles, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, les garçons ne comprennent rien parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est ça. Pourquoi ils ne veulent pas comprendre? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas se prendre la tête. En fait, un garçon, il aime Jésus. Voilà. Il a un appel, il aime le football. Voilà. Et voilà, et il aime la paix, en fait. Vous aimez trop les technicités. Tu vois, j'ai une question à vous poser. La vérité, les professeurs de maths, souvent, c'est des femmes. Oh, ça c'est vrai ça? Oui, oui, souvent c'est vrai. Pourquoi? Parce que pour aller enseigner des choses compliquées comme ça, il faut être une femme. Excusez-moi, un garçon là, il aime bien la simplicité. Vous voyez souvent que les professeurs, c'est des professeurs de sport. Voilà. Pourquoi? Tu tires, tu marques. 1-0. Allez, les gars, on y va. Thalès, mouf. C'est bon. Non, mais c'est ça votre point faible. C'est que vous avez un... Oh, elle est vraiment, c'est Napoléon. Elle est vraiment, dans une armée, dans une attaque. J'ai découvert leur point faible. Alors, c'est une bagarre. Non, mais je crois que c'est ça votre point faible, parce que vous avez un monde de jugeotes. Vous réfléchissez pas. Non, c'est un truc de ouf. Que ce soit à la maison, dehors ou au travail, vous êtes lent d'esprit. C'est que... Maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit, je vais rajouter un point au fils, c'est qu'en tant que leader, moi, personnellement, les... Excuse-moi, Archimède, parce que tu es dans mes 12... Vraiment, les personnes sur qui je compte le plus, c'est des filles. Voilà. Pourquoi? On y vit. Voilà, tu vois. C'est ceux qui sont intelligents. Non, non. Par contre, vous portez des boxeurs. Voilà. Mais non, excusez-moi, mais c'est vrai que souvent les filles, on peut plus leur faire... Enfin, non, je sais pas. Leur faire... Enfin, oui, j'ai l'impression que les filles sont plus diligentes. Oui, c'est ça. D'accord, comme vous êtes des filles, vous savez pas ce que c'est diligente. Donc en fait, diligente, ça veut dire minutieuse. Je rigole, je rigole, je rigole. Non, c'est vrai que les filles sont plus diligentes, sont plus minutieuses. Les garçons sont des buffles. Bah, la vérité, hein, regardez vos chaussures, comment elles sont usées. Et bon, après, Nirine aussi est un peu un gars. Bon, en fait, vos chaussures, elles se sont usées aussi. Toi, elles sont bien. Un manque de renouvellement. Bah, bon, tout le monde. Oh, elles sont bêtes, tes chaussures, Archimède. Bon, tout le monde, en fait, a les chaussures usées. Bon, oui, alors, oui, j'écoute. Oui, Océane. Moi, je pense que c'est revient toujours. Je pense que ça revient. Je pense. Excuse-moi, Geoffrey Kondogbia. Si vous avez une question dans le chat, n'hésitez pas à la poser. On va répondre. Ah, yes. On va répondre. Ah. Et vraiment, j'aimerais que tu arrives avant sur ce sujet. Zoéline Bilongo dit. Vous pouvez pas faire plusieurs choses en même temps. Oh, c'est un manque total de polyvalence. C'est un manque total de polyvalence. Vous ne pouvez pas faire la cuisine et regarder la télé. Ça vous gratte, ça vous gêne. C'est un manque de polyvalence totale. Vous ne comprenez rien. Non, ça c'est faux. Attends, Béni va avancer, Béni va avancer. Tu vas prendre déjà le micro, mon frère. Alors là. Bon, ah, vous ne savez pas faire plusieurs choses en même temps, vous ne savez pas allumer un micro. Ça c'est faux. Ah, le micro est rouge, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la régie, ça fonctionne? Le micro est rouge. Ça fonctionne quand même ou pas? Parle Bénédicte dedans. Allô? Allô? Ça fonctionne ou pas? Est-ce que le micro fonctionne? C'est rouge. Je pense qu'il faut changer les piles. Pour l'instant. Ok, bah, parle. Allô, allô? Ouais, donc je disais... Vas-y, vas-y. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, comme ma soeur disait, c'est un manque de polyvalence. C'est-à-dire que vous êtes comme des petits chiens, c'est que vous restez là, en fait. Oulala. Et que, en fait, vous pouvez pas faire de choses en même temps. Non, c'est vrai que vous pouvez pas faire de choses en même temps. C'est très... Manque de productivité. Ok, William, non, rebondis pas, tu as déjà assez parlé. Tu es une bonne femme. Vas-y, William. Je trouve ça vraiment faux. Ça, c'est peut-être les gens que vous avez rencontrés. C'est vrai, par contre, que les femmes parlent beaucoup, mais moi, elles m'ont parlé beaucoup. Je préfère être avec des filles qu'avec... non, attends. Je préfère être avec des filles parce qu'elles parlent beaucoup. C'est vrai que les garçons, souvent, vous n'avez pas de discussion. Excuse-moi, Archimède. Entre passer 1 heure avec toi et 6 heures avec Naomi, le choix est vite fait. Excuse-moi, Archimède. Vraiment, Naomi parle. Archimède, j'ai l'impression vraiment que si... J'ai l'impression, Archimède, à chaque mot que tu dis, tu perds de l'argent. C'est incroyable. Les garçons, vous êtes comme ça. William aussi, tu peux être comme ça. William, on peut être à côté. Frère, on peut aller en mission ensemble, on peut être en voyage ensemble. Frère, toi, à chaque mot que tu parles, on dirait que tu payes. Tu vois, elle, là, au moins, elle parle. J'aimerais rebondir sur quelque chose. On parle peu, mais on agit beaucoup. Ah bah non, mais alors là, zéro. On parle peu, mais on agit beaucoup. Vous parlez beaucoup, mais vous agissez peu. Non. C'est vrai, il a raison. Mais non, il a raison maintenant. Mais vraiment pas. Mais totalement sa part. Mais oui, c'est vrai, il a raison. Vous parlez beaucoup, il était beaucoup là. Pia. Au final, il n'y a pas d'a. Merci. Je suis pas d'accord. On parle beaucoup. Attends. Mais ils en ont pas. Ils n'ont pas d'exemple, regarde. Le peuple se réveille. Ils n'ont pas d'exemple. C'est qui fait la vaisselle? Exemple. C'est qui tient la maison? Bon, là, je ne sais pas qui tient la maison, mais je sais qui ne tient pas le micro et qu'on n'entend pas, c'est toi. Hop, allez, hop là. Les hommes, oui, Steven. Vous dites qu'on manque de polyvalence, qu'on ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Mais par exemple, madame Océane a parlé de faire la vaisselle et faire à manger en même temps, regarder la télé. Mais j'aimerais dire que si on regarde la télé, c'est parce que vous êtes là pour faire à manger, en fait. Tout simplement. Par contre, je pense que lui, il peut sortir de Fresh. Je me dédouane de ce truc. Non, là, et je n'associe pas l'image d'Evangile TV à ces dires. Voilà. On a été créé. C'est son avis, hein. En tout cas, Nirina veut parler. Oui, voilà. Nirina, c'est bien parce que vous savez faire plusieurs choses en même temps, peut-être, mais en tout cas, Nirina, pour l'instant, on l'a juste entendu au début dire vous me connaissez calme. Bon, on te connaît encore calme. Mais depuis, je veux parler, en fait, mais je donne la parole au garçon. Ah oui, oui. C'est bien, tu es très. Pour l'instant, moi, je sais ce que je fais. Très gentil truc. Vas-y, oui. Ok. Du coup, pour rebondir sur ce que j'ai dit déjà. Attends, j'ai une question par rapport au fait que les garçons ne savent pas faire beaucoup de choses en même temps. Mais merci. Non, j'ai une question. Ange, tu vis avec qui? Avec ma mère. D'accord. Nirina, tu vis chez qui? Ma mère. D'accord. Tu vis chez qui, toi? Mes parents. Jessie? Mes parents. Bénédicte? Mes parents. Océane? Mes parents. D'accord, moi, je vis seule. Oh là là. Comment j'ai mangé hier soir? Purée. Qui fait ma vaisselle? Mais attends, mais je suis un garçon, je crois. J'ai l'impression d'être un garçon. J'ai l'impression aussi. Oui, j'écoute, Nirina. Bah, on sait faire plusieurs choses en même temps, quand même. D'accord. Admettons, tu confies plus de missions à des filles, etc. Même si tu sais que c'est pas forcément. C'est vrai en plus. Par exemple, même si tu sais que c'est pas forcément, je donne un exemple, mon domaine, tu peux quand même me confier de la mission. C'est vrai que je te confie beaucoup de missions. C'est vrai que tu es sûrement la personne à qui je confie plus de missions alors que tu es une fille. Enfin, non. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, c'est pas alors que tu es une fille, genre. Non, c'est. En gros, bah oui, t'es une fille et pourtant c'est. Enfin, non. C'est une fille que je confie le plus. Moi, j'ai vraiment. Moi, la vérité, j'ai vraiment aucune préférence. Enfin, émotionnellement, enfin. Oui, bon, enfin, bon. Non, mais c'est vrai. Soyez bénis. Du coup, tu auras plus de facilité à me confier quelque chose à moi, même si tu sais que c'est pas forcément mon domaine, que si tu sais que c'est pas son domaine, tu vas pas lui confier. Que si tu sais qu'il maîtrise pas, par exemple, tu vas pas lui confier. Oui, mais il faut vraiment que tu maîtrises, quoi, parce que moi, il sait que je peux m'adapter, que je peux peut-être même faire en fonction, qu'il sait que toi, bah, bon, voilà. Ça, je pense que c'est la polyvalence. C'est jugé. Je pense que c'est le thème de l'émission. Non, mais non, c'est le thème de l'émission. En fait, lui, c'est vraiment juste les jeux, lui. Non, mais lui, c'est les jeux. Non, mais là, c'est un point pour les filles. Non, attends. Il a dit que c'était un préjugé. J'ai dit un préjugé. Oui, mais c'est le thème de l'émission. Ça fait 2 heures que c'est le préjugé. Non, mais le truc, c'est que c'est faux. Parce que du coup, moi, franchement, c'était pas ça dans ma vie. En général. C'est vrai que tu es très polyvalent, un point pour les garçons. Merci. Merci. Je te remercie. À l'école. Excuse-moi. Par rapport à ton truc, là, je confie des missions à des filles polyvalentes, je sais pas quoi. Celui qui a plus des missions polyvalentes, c'est Bibi. Merci. Voilà, c'est lui. Donc, c'est quoi? 2 points pour les garçons. Voilà. Et comme je suis un garçon, 3 points. Mais... Et comme garçon, ça commence par G. Merci. Comme gagner, il y a 1 point. Ouais. Non, mais là, c'est. Regarde, je leur donne juste 2 points parce que William est beau, donc 1 autre point. Ok, je vous écoute. Vous avez parlé de polyvalence, tout ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous, les filles, en fait, il y a une chose que vous savez pas faire. Est-ce que vous êtes poly déjà? Voilà. Oui. Oh là là, il y a une chose que vous savez pas faire, c'est conduire. Les filles, vous savez pas conduire. Pardon, tu manques. Attends, parce que tu manques déjà le piège de la route. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que là, vous n'avez pas travaillé votre émission. Et là, je vais mettre 5 points aux filles. Pourquoi? Parce que t'as le permis. Mais il n'y a pas de permis. Attends. Il n'y a même pas de code. Attendez, le problème c'est que Mathieu, t'as pas le permis. Code de la route. Elias, t'as pas le permis, mais avec ta grande taille, quelle voiture va t'accueillir? Steven, t'as le permis, mais t'as une Peugeot. William, tu n'as pas le permis. Ethan, tu as 15 ans. Archimède, tu as le permis, mais tu es le seul être humain jusqu'à là, sur l'autoroute. Un jour, j'étais avec toi. On était avec Steven dans la voiture, on était 3. Tu conduisais tellement mal, tu t'es arrêté sur le bas-côté. C'est vrai ou pas? C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Voilà. Archimède, est-ce que c'est vrai ce jour-là? Voilà. C'est vrai. On est entré sur l'autoroute à Poissy, Archimède. Non, mais... vrai. Alors que Nirina et Océane conduisent très bien. Merci. Ah, mais c'est ça qui justifie nos faits, c'est que, en fait, des fois, vous parlez pour parler. Et c'est ça qui... c'est ce qui va se passer. Mais là, Mathieu, je vais même pas seulement la mettre des points, je vais vous enlever 1 point. Parce que là, on s'est... Oui, Archimède. Oui, Archimède. Dans la polyvalence. Après, je connais une fille au lit qui conduit tellement mal que j'enlève un point. C'est vrai. Je m'en c'est terrible de ça. J'enlève même Nathalie qui sait pas trop conduire du tout. Vraiment désolé. Hein. Elle est pas là. Oui, bah c'est pour ça qu'elle est pas là. Oui. Parce qu'elle a dû se perdre. Hein. Bon, oui. Le garçon de tes incompétences, il progresse vite. Pardon? Il a dit qu'il progresse. Mais parle frère, on t'entend pas. Il progresse. Qui progresse? Un garçon progresse. Parce que pour moi, un garçon, il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être épaulé. Oh, quand on parle de guidé, j'ai l'impression que les garçons sont plus conduits par l'esprit que les filles. Oh, ouh là là, ouh là là, oui, David Young. Les exemples dans la Bible. Alors j'ai l'impression qu'ici, il y a eu plus de guérison des malades qu'ici. Ah, ma vie sera un témoignage, je regarde. Sera présent. Nous dans le présent, les vidéos sont sur les téléphones. Quoique hier, j'ai reçu 3 vidéos de guérison dans mon réseau. Et c'était Jessie, Oli et Tecle. Allez, ça va partir pour des points pour les filles. C'est trop faux pour les filles. Peut-être que comme il filmait pas, il fallait filmer. Donc c'est trop faux pour les filles. Peut-être que comme il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Non. Bonne nuit. Non, non, non. Toi-même, tu n'y crois pas, non? Oh, non. Je pense que y a beaucoup de témoins. Attends, j'ai l'impression que Mathieu, depuis qu'on lui a dit qu'il ne conduisait pas, il parle pas. Là, bon, j'ai arrêté de parler. Non, bon, c'est vrai que j'ai pas trop le permis, mais... je me permets. T'as le code? Ouais, si, je l'ai. Qui a le code ici? Bah, du coup. Merci. Qui a le code ici? T'as le code, Elias? D'accord. Et ils t'ont dit, tu passes le permis poids lourd ou le permis voiture? Tu es rentré dans la voiture. Oui, mais Mathieu, vas-y, oui, tu lâches le micro. Ah, t'as lâché l'affaire. Non. Vas-y. Bah, le truc, c'est que on a parlé des permis, bon. Voilà. Ah non, voilà. Bah, là, voilà. Allez, ça, c'est l'exemple. Un exemple de concentration. Mais la musique et tout. Vas-y, Mathieu. Donc, du coup, je disais, on a parlé des permis. Bon, là, c'est vrai que sur le plateau, on est un peu mal placé. Mais en général, bon. Voilà, j'ai pas trop envie de discuter, mais moi j'en connais beaucoup des exemples de femmes qui à peu près conduisent. Ah bah c'est méchant pour son entourage, hein. En 40, 50, 80 heures même. J'en connais même une, j'en pense à une justement. 80 heures? 80 heures. Ok, attends, oui, parce que là on parle de permis. Ah oui. Tu es en combien d'heures sur le net? 20. 20 piles. Waouh. Génial. Toi? 39. 30. Sonnette. Là, je sens qu'on va rigoler. En fait, les heures, attends, pour ceux qui savent pas les heures. Ça y va. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi les heures du permis? Mathieu, ben, statistique, on va se faire afficher les heures. Les heures du permis, c'est en fait les heures de conduite. Et c'est à partir de 20 h que tu peux passer le permis normalement. Oui? 45. J'ai jamais vu un garçon qui a pris autant de temps. Toi, Steven? 32. 32 moins 2, ça va, c'est pas mal. Ok. Bon. Oui. J'aimerais qu'on parte un peu dans un sujet aussi. Ah bah attends, Steven voulait dire quelque chose. Laisse le clôturer. Je vais finir clôturer, si tu me le permets, sur la polyvalence, concernant un peu la vie avec les sœurs, les frères et tout. Moi, je sais par exemple que dans ma famille, ma mère, elle a vraiment beaucoup besoin de moi, par exemple dans le bricolage, dans les trucs à monter et tout. Mais c'est rare que les filles, souvent, elles appellent des experts. Elles appellent des gens, des tontons de Londres. Ou leurs ex. Oh là là, voilà. C'est pour dire que vraiment, malgré que vous sachiez faire beaucoup de choses dans la maison, vraiment les trucs, on va dire, d'hommes, entre guillemets, bah, vous êtes... Bah, faut bien que vous sachiez quelque chose. Bah oui, mais enfin... Non. Bah oui, faut bien faire quelque chose. Le bricolage. Non, c'est pas une justification. Ok, amen. J'aimerais lancer maintenant un débat. Et j'aimerais vous poser une question, les filles. Oui. Dites-moi une interdiction que vous avez, vous, lorsque vous serez en couple, chez l'autre. Un truc rédhibitoire. Physiquement. Ou dans le caractère. Quoi. Qui commence? Vas-y. L'odeur, je pense. L'odeur. Bénédicte? Oui, l'odeur. Jessie? L'odeur aussi. Ok, toi, Naomi? Le manque de respect. Amen. Toi? Amen. Ouais, bah, si je dois dire un truc, bah, c'est un peu tôt. Mais si je dois dire un truc en plus, c'est laxiste. Laxiste? Ouais, les gens très laxistes. On dit laxiste, hein, laxiste. Pas laxiste. Non, laxiste. Parce que laxiste... Bah après, je sais que les dictionnaires s'appellent le petit Robert. Tout ça, c'est pas la petite Roberta. Hein, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Oui, et toi, Ange? Enfin, j'aurais dit l'odeur. Vous avez déjà dit l'odeur, je vais dire au niveau de la taille, genre. La taille? Ouais, plus petit. Plus petit que toi? Ouais, non. Ah, c'est... Non. La folle qui fait dans le public, amène, là. Ok, et vous, les garçons, un truc rédhibitoire physiquement? Moi, je dirais... La franchise. La franchise. Physiquement. Ah, physiquement, pardon. Du coup. Je peux dire, non, la franchise, qu'elle soit trop franche. Non, qu'elles soient pas assises. Ah, les menteuses. Les menteuses, voilà. Oh mon Dieu. Oh ça, c'est vraiment ma phobie. Hein. Ouais. Les gens ça, qui mentent, les malots, c'est vraiment ma phobie. Ah non, vraiment, vraiment, sachez-le. Si vous êtes un malot, changez un. Changez un. Oui, vas-y. Moi, j'aurais juste dit le manque de confiance. Hein. Genre la confiance. Avec la personne? Ouais. Ouais, mais le but, c'est comme une émission drôle, hein, tu vois, c'est pas une émission pour que tu nous racontes que qu'on t'a trompé. Mince. Je dégage, Vas-y. Moi, pour retourner physiquement, je pense que ce serait au niveau de la pilosité, hein. La barbe, le poids de menton, tout ça. Ah, c'est vrai, vu que t'as rien, bon. Il est jaloux. Il est jaloux. Il les veut. Il m'a pas fait la plus de que toi. Ouais, c'est vrai, pas mal, c'est vrai. Archimède, toi? Moi, j'aurais dit les mauvais pires. Attends, parle plus fort. Alors là, vraiment, attends. Vas-y. Arrête, Archimède. T'es un assassin, Archimède. Tu es un meurtrier, arrête. Arrête, Archimède. Arrête, Archimède. Attends, calme-toi, Archimède. Calme-toi. Je vais la prendre là. William d'abord. Il va dire ça. J'aurais dit, bah, que sans le maquillage, beau visage. Sans maquillage, qu'elle ait un beau visage. C'est ça que tu veux pas. Carré débitoire. Ouais. Non, 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 c'est l'inverse. Les garçons, ça capte pas là. C'était un peu un buffle, excuse-moi. Un point pour les filles. Merci. Mais après, le truc, c'est que les filles ont 17 points, vous en avez 7. Le truc, c'est que. Après, c'est parce qu'ils sont trop dans les complications. Non, pas du tout. Génial. Il t'a juste posé une question. Il a répété une deuxième fois. Oui, mais le message, j'ai compris. Alors, et si je fais. Madame, madame. J'ai dit quoi? Bonjour madame. Ah, voilà, t'as pas compris, j'ai dit bonjour William. Ah, regarde, regarde. Bonjour madame. J'ai dit quoi? Bonjour William. Non, j'ai dit bonjour madame là. Non mais. Non, vraiment, je remercie. Ça se remercie. Mais... Donnez-moi un foutre, s'il vous plaît, Marc. Vraiment, je vais noter un autre point pour les filles. Vraiment, on va monter à 18 points pour les filles. Plus rien, maman. Oui, vas-y, éteins-toi. Une chose ou deux? Deux, trois maintenant. Trois. Il y a les cris. La jalousie. Attends, attends, les cris. Oui, les femmes folles, ça va pas. Oui, oui. Ça va pas. Vous voulez vous marier dans une zone? Oui, oui. Les cris, la jalousie. Et. Bon, après. Non. Juste les cris, la jalousie. Ok, maintenant, Archimède, je donne la parole. Oui, vas-y, Mathieu. Vas-y, avant qu'Archimède attaque. Non, pour ajouter une chose, les grands pieds. Les longs pieds en fait. Les longs pieds, les gens qui font du 43. Voilà, les femmes qui font du 43 ici. Ange, tu fais du 46. 43, 44. Moi, je fais 39. 39. 36, 37. 39. 39. 37. Non, moi, ça, 38. Les gens font une 39 là pour moi, vous faites du 40, mais vous forcez vos pieds. Vous avez des cloques. Vous avez des ampoules. Vous avez des ampoules. Hein, ok, donc maintenant on va partir sur le débat. Archimède, tu veux lancer ton débat. Vas-y, ça c'est vraiment le débat d'Archimède. Il aime toujours parler de ça, je comprends jamais. Vas-y Archimède, donc qu'est-ce que toi est rédhibitoire chez une fille? Les mauvais pieds. Les mauvais pieds là. Mais pourquoi que tu parles fort? Parce qu'en fait, je sais pas, j'aimerais vraiment que le monde entier t'entende. Archimède, j'ai l'impression vraiment que tu as une voix dans cette génération. Et j'aimerais vraiment que tu parles. Alors vas-y, parle-nous de tes débats. Vas-y, débat mon frère. Les mauvais pieds. Les pieds mauvais. C'est quoi un pied mauvais? Ça capte c'est d'entendre par un pied mauvais. C'est désagréable à voir. C'est quoi un pied mauvais frère? C'est des pieds moches qui sont pas beaux à voir. Pas agréables avec des griffes, des plein de blessures. C'est quoi des pains? Des blessures dans les pieds, des grosses griffes, des ongles bizarres. Des ongles bizarres. Ils sortent avec des griffes. Montrer tes pieds Archimède. Il a dit des griffes et des ongles. Excuse-moi, attends, excusez-moi. On pense à la même personne ou pas? Quand on parle de griffes, on pense à la même personne ou pas? Oui. Oui, si, on pense à la même personne ou pas? Bon, attends. Regarde. Ah oui, heureusement. Seigneur. Oui. J'ai vu aussi chercher des filles, donc ça m'a traumatisé. Tu dis quoi? J'ai vu aussi chercher des filles. Chez qui? Quelle fille? Chez des filles. Des tantines, des tantines, ok, ça t'a traumatisé, c'est-à-dire parle-nous un peu de ta phobie des pieds. Raconte-nous un peu, vas-y frère, raconte-nous un peu. Je déteste les pieds désagréables. Les pieds, ok. Et tu penses qu'il y a des filles avec des pieds désagréables? On sait pas. On sait pas, ils ont des chaussures. J'aimerais bien voir tes pieds, moi, Archimède. Oui. Ouais, parce que pour demander des beaux pieds, il faut en avoir des beaux aussi. Alors vas-y, raconte. Pour demander quelque chose, oui, déjà bien mes pieds. Ça justifie. Oui, explique, vas-y, mais parle fort, frère. C'est quoi son problème? On dirait un gars qui va nous kidnapper, là. Vas-y. Mes pieds sont propres, j'en prends soin. Quand tu le tes pieds sont propres? C'est vrai qu'Archimède estime avoir des pieds de mannequin et il les montre tout le temps. C'est vrai, il aime beaucoup de pieds nus. Il est pieds nus à la maison, William? Hein? Il est pieds nus à la maison? Ouais, il aime bien montrer ses pieds, hein. Moi, il dit tout le temps qu'il a des pieds de mannequin. Il est tout le temps qu'il a des pieds de mannequin, il avance sur ses pieds. Il pousse, mais... ouais, il dit ça, un jour, il est venu chez moi, il s'est mis pieds nus, il a dit j'ai des pieds de mannequin. Et il montrait ses pieds à tout le monde. Voilà, donc tu as une haine contre les mauvais pieds. Qui veut répondre ici? À la réponse, est-ce qu'il a des beaux pieds? Bah, il dit qu'il a des pieds de mannequin. Qui veut répondre? Oh, bah là, ça c'était. Hein? Alors ok, nombre de secondes que vous répondez pas, c'est des points. Ok, bah, ça concerne une fille comme une femme, hein. C'est quelque chose de... une fille comme un garçon, en fait. Mais nous non plus, on n'aime pas les... Mais nous non plus, on n'aime pas les pieds moches. Attends, nous, on n'était pas le nombre. 7, ok. Mais oui, en fait. Mais personne n'aime les pieds moches, ça c'est... Personne n'aime ça. Oui, personne n'aime une petite chose. Oui, mais il parle des pieds de femmes moches, mais il y a aussi les garçons qui ont des pieds d'hommes. En plus, c'est plus courant. Et beaucoup plus. C'est sec. Les pieds, là... Le truc, c'est pour les filles. Merci beaucoup. Quand tu fais du sport, mais nous, on pour avoir fait du basket, mais du basket en plus, encore du foot, ok, mais du basket. Bah c'est pas parce que t'as pas joué au basket que tu connais pas. Mais les pieds au basket, au basket quand je saute, quand je fais une balle, mais tu basket, tu fais taille de la balle. Quand la personne saute, ça n'empêche pas de prendre soin de tes pieds. Ça n'empêche pas. Elle retombe sur moi parce qu'Archimède prétend avoir des pieds de mannequin, pourtant elle a fait du foot, donc ce texte. Mais oui, du foot. Merci. Et moi je suis désolée, mais on nous demande des exigences chez les femmes, par exemple de mettre des talons, etc. Ou par exemple encore le ballet, ça détruit les pieds des femmes. Le ballet. Oui, ouais, le ballet. Bon, vraiment, je sais pas qui demande des danses, mais qui fait du ballet? Mais ça justifie pas le fait parce qu'il a dit. Non, mais oui, non, mais qui fait du ballet? Non, mais il y a plus de questions. Non, mais tu connais qui fait du ballet? Moi, je parlais du ballet, le ballet. Qui fait du ballet? Mais non, mais quelqu'un fait du ballet? Non, attends, tu connais quelqu'un qui fait du ballet? Mais qui fait du ballet en France? Mais qui fait du ballet en 2021? Non, pas le ballet qui se passe lui-même. Qui fait du ballet? Mais ça aussi, ça détruit l'épée, par exemple. Oui, mais ça détruit. Mais tu fais du ballet, toi? Non, mais. Enlève tes chaussures. Mais oui, voilà, oui. Non, c'est pas une justification en soi. Bah oui, en fait, il y a juste à prendre soin, en fait. Tu dis? Tu vas juste à prendre soin. Voilà, il faut faire la petite. On vous demande pas grand chose, de toute façon, vous faites pas vos contours, donc faites juste attention à vos pieds. À un moment donné, ça va. On ne parle pas beaucoup de gens, mais à un moment donné, un petit effort. On ne fait pas nos contours, on fait attention à nos pieds, mais des fois, tu mets ta perruque parce que t'as la flemme de faire tes cheveux. Maman, ça a des cheveux. Et toi, c'est du rêve? Je suis pas coiffée. Je suis pas coiffée. À la ligne, toi, ton durac, c'est tout. Je prends la parole. Non, mais pour. Vas-y, attends. À la ligne. En fait, Ethan, c'est vraiment spectateur. Il est juste pour rigoler. Vas-y. Vas-y. Il est vraiment fou. Ah oui. Les garçons. Non, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Des fois, vous mettez vos perruques parce que vous allez la flemme. Ils ont répondu là, direct. Oui, mais moi, je prends la parole, moi, parce que moi, j'ai mes contours. Non, mais toi, aujourd'hui, Ethan. Un drag rose. Aujourd'hui, pareil. C'est quoi le problème avec les perruques? Moi, je comprends pas ce concept. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, les perruques, parce que pour moi, c'était évident le mensonge. Ah, oui. Jusqu'à. Non, oui. Il y a des gens qui vont les changer. Non, mais aujourd'hui, je comprends le principe, mais pour moi, c'est vraiment. J'ai une question. Est-ce que mettre des perruques, c'est pas une introduction dans le péché, dans le mensonge? Ok. Je pose cette question ici. Je pose cette question. Voilà. Je comprends pourquoi est-ce que dans Thessaloniciens, il y a marqué je ne veux pas que les femmes. Il y a des perruques pour hommes aussi, hein, et des barbes. De tresses. Je rigole. Non, en vrai, les perruques, je trouve ça très bien. Parce qu'en vrai, ça permet de changer de tête. Et c'est vraiment un avantage que les filles ont. C'est ça. Le fait de faire des tresses, des perruques, de faire plein de coupes, ça, c'est vraiment un avantage que les filles ont. Et les garçons, je pense qu'on devrait acclamer pour ça. Acclame vraiment macho. Avec tes deux mains, macho. Macho. Non, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Parce que d'un côté, on met des perruques. Mais le frère là-bas, là. Excusez-moi. C'est aussi un petit rajout, quoi. C'est ses vrais cheveux. C'est tes vrais cheveux? Ouais, c'est vrai. Ah oui? Ah, pardon. Complètement. Moi, je connais quelqu'un. 100% authentique. Tu connais, mais il est pas sur le plateau. Voilà. Il a dit tu connais, mais il est pas sur le plateau. Tu le connais, mais il est pas sur le plateau. Je n'ai jamais eu quelqu'un de cynique comme ça. Non, en vrai, les perruques, il n'y a pas de problème. En vrai, soyez pas complexé ou quoi. Si vous voulez mettre des perruques, alléluia, c'est vraiment génial. Et si on se moque de vous à cause de vos perruques, c'est pas grave. Peut-être que les gens qui se moquent de vous n'ont pas assez d'argent pour en acheter. Voilà, c'est tout. Au moins, voilà. Pierre à période, voilà, la période. D'ailleurs, parlons de période. Alors. Ah non! J'allais aller sur quelque chose. Ah non! J'allais aller parler. Ah non! Ça c'est dit sur ce plateau. Vous allez parler du caractère pendant les menstruations. Oh non, mais ça. Parce que ça, j'aimerais même poser une question aux filles aujourd'hui. J'aimerais vraiment poser une question. Moi personnellement, beaucoup de fois on m'a menti en me disant que non, il y a les menstruations, donc voilà pourquoi est-ce que j'ai un caractère comme ça. Est-ce que vous trouvez ça légitime ou c'est faux? Non, c'est vrai. Non, c'est vraiment vrai. Pas pour moi. Pas pour toi? Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça dépend des personnes, mais c'est vraiment une généralité où ça joue sur les hormones. Donc des fois vous êtes rebelle envers vos responsables à cause de ça. Non, pas du tout. On m'a déjà dit ça. Jamais, jamais. Non, ça c'est pas une excuse. On m'a déjà dit non, si je suis un peu désobéissante rebelle, c'est parce que j'ai mes menstruations. Non, ça c'est le caractère, c'est autre chose. Vous voulez dire le nom de la personne ici? Non, bande de mythos, vous êtes des filles, vous voulez savoir. À la fin, elle a quand même coupé la caméra, vous allez venir me voir. Mythos, les garçons vont oublier, vous allez vous en souvenir. Vous allez dire, ok, c'est qui? Alors je vais faire un calcul. Alors techniquement, c'est pas les filles qui sont là, donc ça peut être ta. Techniquement, tel jour, la fille là, elle a pas ses menstruations, je connais ces dates. J'aimerais lancer un autre débat. Dites-moi un tue l'amour. Les garçons, on commence? William, tue l'amour. C'est-à-dire, frère, vous allez pour vous fiancer. Elle fait ça. Tu dis non, c'est mort. Ah, moi, j'en ai tellement, mon Dieu. Vas-y, achète-toi. Elle fait ou elle montre ou tu vois un truc. Non, c'est fini. Moi, ça m'est arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Qui n'a jamais été en couple ici? Lève la main. Océane? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors les autres, vous aviez été en couple dans le monde ou quoi, et en fait, la personne vous a vu un truc? Plus jamais. Moi j'ai fait un truc un jour, si je vous raconte là. Toi? Toi aussi? Ok, moi aussi j'ai une anecdote. Moi j'ai pas de l'anecdote parce qu'elle est un peu... elle est un peu intime, mais moi personnellement un jour... que je vais essayer vraiment de pas dire parce que c'est... Ouais. J'étais chez une fille. Okay, parce que j'étais dans le monde, donc j'étais très... j'étais un bosseur, comme on dit, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était le passé, amen. C'était en 2011, je crois. Ça fait 10 ans. Et du coup, j'étais chez la personne. Non, vas-y, racontez, vas-y. Non. Bref, ok. Et du coup, j'ai vu quelque chose, on va dire ça comme ça. Et ce que j'ai fait vraiment, c'est que ça m'a tellement tué l'amour, dégoûté, que je suis parti en fait. J'ai dit désolé, j'ai une obligation familiale, je dois y aller. Et je suis parti de chez elle et j'ai marché dans les rues de la ville en me posant des questions. Et j'étais dégoûté des filles à une dimension. Si vous voulez, après je dirais en off, hein. Okay. Mais on va anecdote. Allez, vas-y, Archimède, toi, c'est quoi? C'est quoi? Allez. En fait, c'est un genre, bah en fait... Yes. Je parlais avec une fille sur les réseaux sociaux. Ouais. Et elle était très... Bah en fait, dans son image, là... Oh mon Dieu, elle est menteuse. C'était très bien. Oh, je pense à une fille, là, d'Argenteuil, oui. Et du coup, j'ai parlé avec elle et tout. Elle est menteuse, mon frère. Et un jour, on s'est vus. Mince. Et alors? La chute, le désastre. Quand je l'ai vue, je m'attendais à avoir la même personne dans la photo. Oui. C'est une personne totalement différente. Ah oui, elle ressemble à quoi? Arrête, c'est pas méchant. Il n'y a personne de moche. Non, je veux dire quelque chose même par rapport à ça. Écoutez, la vérité, attends, même si, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui on vous a dit que vous étiez moche. Moi, on m'a déjà dit ça, je m'en souviens, un jour on m'a dit que j'étais moche. Qui on a déjà dit que vous étiez moche? À qui on n'a jamais dit que t'étais moche? Lève la main. On t'a jamais dit que t'étais moche? Moche? On dit t'es moche. Ouais. Ah, t'es moche. À qui on n'a jamais dit t'es moche? À qui on a déjà dit... Attends. Bon, on n'a jamais dit t'es moche? Moi, un jour, on m'a dit ça, je m'en souviens, c'est un garçon en plus, qu'est-ce que ça m'a blessé? Il m'a dit « Eh, mais t'es moche, toi !» J'avais dit « Ah ouais ?» Ça fait mal. Ça, je crois que j'étais en 5e, en 6e. Ah ouais? C'était un grand à l'école. Il m'a dit « Eh, mais t'es moche, toi !» J'ai dit « Ah ouais ?» Parce que moi, je savais pas. Du coup, j'ai dit « Ah ouais ?» J'étais choqué. Et après, ah non, j'ai dû faire un travail de restauration. Ah non, j'ai dit « Ah ouais ?» Ah non, j'ai vraiment dit ça. Ah non, William, t'aurais vu ça, t'aurais rigolé. Il m'a dit « Eh, t'es moche, toi !» J'ai dit « Ah ouais ?» Ah non, mais... La révélation. Mais c'est vraiment, c'était une révélation. Ah ouais, j'étais choqué. Donc on vous a déjà dit ça. Écoutez la vérité des vérités. Personne n'est moche. Je vous dis la vérité. Écoutez, regarde bien. Naomi, tu fais 1m combien? 68. Ok, t'es grande ou pas? Non. Sur la base de quoi? Tu vas te comparer à quelqu'un, n'est-ce pas, quand tu penses ça? Donc quand on dit que t'es moche, quand on donne un adjectif, quoi, on te compare à quelqu'un. Par exemple, on va dire, admettons, qui ici est par exemple dark skin? Qui un peu? Regarde, par exemple, on va dire que Elias est plus foncé que Mathieu. mais tu vois, on va te comparer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on dit t'es moche, mais c'est parce qu'on compare à quelqu'un qu'on trouve plus beau. Mais en fait, vous captez ou pas ce que je veux dire? Donc il n'y a personne de vraiment moche, ça n'existe pas. Même si vous avez des défauts physiques qui sont vraiment apparents, et soyez pas complexés, vous êtes bien comme vous êtes. Et vous inquiétez pas, le Seigneur a quelqu'un pour vous qui vous aimera comme vous êtes. C'est vraiment, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps sur ça, parce qu'on parle beaucoup de complexes, toi on parle de complexes, on parle de choses physiques et tout, mais il faut que vous sachiez véritablement, vous êtes très bien comme vous êtes. Vous n'avez pas à essayer d'être une bimbo comme sur les réseaux sociaux, voilà, d'être comme ça, d'être sexy, d'être je ne sais quoi, ou vous les garçons, d'avoir toutes vos tablettes de chocolat, je ne sais quoi. Les gars, même si tu n'as pas les tablettes de chocolat, il y a une fille un jour là qui n'aimera pas les tablettes de chocolat, qui aime les mousses au chocolat, qui va t'aimer toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc soyez vraiment, voilà, tu n'es pas trop petite, il y aura quelqu'un pour toi. Voilà, soyez vraiment peace. Amen, hein. Amen. Vraiment, t'as pas tes contours, c'est pas grave mon frère. Soyez vraiment peace. Parce que généralement, non, c'est très important. Je veux pas que les gens quittent l'émission là avec des complexes. On est libre en Christ de tout complexe, de toute... Voilà, ok. Et le but de l'émission, c'est pas rappeler aux gens, ah, dans le monde un jour on m'avait dit ça, vous êtes très bien comme vous êtes, Dieu vous aime comme vous êtes. Voilà. Et si vous faites un travail sur vous, dans vos vêtements, dans votre manière d'être, dans votre corps, dans votre visage ou quoi, c'est pour vous. Eh, c'est pour vous. Moi, quand je vais au coiffeur, hein, parce qu'on parle de contour, je m'en cogne de ce qu'une sœur peut penser. Mon Dieu, vous aussi, non? Vous aussi, c'est pour vous. Et vous, je pense aussi, non? Non. Si tu te coiffes ou quoi pour qu'on te voit, t'es esclave des autres encore. Hein, t'es esclave encore, t'es un esclave. Non, regarde, t'aimes bien ta coupe? Enfin, toi, tu vis bien le fait de pas avoir de contour? Gloire à Dieu. Oui. C'était l'incendification, maintenant on revient. Donc le fil à garde. Vas-y. Tu l'amour. Moi en vrai, enfin j'ai pas d'anecdote. Qui a une anecdote alors? Vas-y. Moi c'était pendant un date. Attends, dans le chat, dites-nous si vous avez des tu l'amour aussi ou si vous avez des anecdotes vous. Un date. Yes. Vas-y, un date, raconte ton date. Peut-être une semaine à l'avance, la première fois que je voyais la fille, tout ça. Ça fait que bah, je m'étais fait beau, chic. J'arrive, je la vois, elle aussi, elle était belle. Et bon, dans ma tête, j'avais déjà prévu qu'on aille au resto, un truc comme ça. Elle me dit, oh non, t'inquiète pas, te complique pas la vie, on peut aller au grec à côté. Je dis, bah en vrai, tant mieux. Pourquoi tant mieux? Pourquoi tant mieux? J'avais pas reçu la bourse complètement, quoi. Voilà, ça, moi, ça, c'est un truc vraiment. Non, William, vraiment, je te forme, frère. Frère, nous, là, on fait partie des gens qui payent des restos à 300 balles. Vraiment, moi, personnellement, je suis un vrai homme, personnellement. Moi, William, non, je vais te former, frère. Nous, là, on fait partie de la race des êtres humains qui viennent chercher les gens en classe A, qui viennent. Tiens, ou pas? Non, dédouanise des Grecs au nom de Jésus. Oui, vas-y, reste, Yvonne. Du coup, je me suis dit, bon, ok, ben, tant pis. Du coup, on est allé au grec, tout ça, on a commencé à commander. Moi, je prends un grec normal. Elle voit, elle prend un buffalo, je sais pas quoi. Je dis, ah ouais, quand même. Elle mange. Du coup, je dis, bon, vas-y, t'inquiète, prends. Du coup, on s'assoit, tranquille, on commence à manger. Du coup, je commence à parler avec elle, à essayer d'en savoir plus sur sa vie, tout ça. Et elle continue à manger, elle s'en fout. Tu vois la mayonnaise sur le côté. Seigneur, j'ai fait, ok, elle mange son gros sandwich. La saucette, tout, ça c'est vraiment un tu l'amour pour moi. Purée. Le comportement quand tu manges en face d'une personne, en fait. Non, mais pour moi, mais le comportement quand tu manges en face d'une personne, ça reflète le comportement quand t'es seul. Amen. Et vraiment ici là, et je sais, quand je vous regarde, je sais qui est dégueulasse quand même. Déjà Angébois. Déjà Angébois. Non. Déjà Ange, écoute, déjà Ange, toi là, arrête. Je t'ai déjà vu manger, arrête. T'arrêtes hein. Tu peux le dire à Archimède. Stopping. Voilà, arrête, toi ça se voit quand tu manges seul chez toi. T'arrives là, t'es bien make-upé de ça, t'arrives à la maison, tu balances ton jean, tu balances tes converses, tu les balances contre le mur, tu prends ton dolé, tu avec la main. Voilà, merci. Toi aussi, arrête, c'est pareil. Arrête, c'est pareil. Parce que vous parlez de garçons chic et tout, mais est-ce que vous-même vous l'êtes? Ah oui. Oui. Mince. Voilà, tu l'amour les filles. Une anecdote. Moi j'ai une anecdote. Vas-y. Ici, attends, ici dans le chat, on me dit tu l'amour, les dents et la bouche. Amen. Et les gens, la bouche. Oh, les cheveux gras. J'avoue. Ça se voit plus dans les. Tu vois, regarde bien. Ouais, tu vois mes cheveux là. Tu vois, ils sont un peu brillants, non? Oui, ça c'est la cire. Ça c'est la cire. Mais il y a des gens, ils sont brillants comme ça, sauf qu'ils mettent pas de cire. Ils ont pas de gel. C'est le gras. Non, ça. Non, ça, tu dis ça, c'est pour les chevelisses. Oui, c'est pour les chevelisses. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment terrible, guys. Vraiment, franchement, ah, je vous dis, c'est vraiment, vraiment. Mais non, mais même tous les cheveux là. Des fois, on regarde tes cheveux là, on voit, t'as des points blancs là partout. Là. Dégueu, toi. Ça, c'est le lit. Est-ce que vous voulez conduire un peu l'émission là? Parce qu'en fait, on se dit qu'on doit arrêter là dans 15 minutes. Comme vous avez votre pause déjeuner. Fini. Mais est-ce que, dites-nous dans le chat si vous allez être encore là, parce qu'on veut pas durer et vous quitter. On veut durer et ça monte encore. Les ongles délabrés. Ah oui, c'est les lèvres gercées. Ah oui, non. Ah oui, non. Plus de la bouche. Non, les lèvres gercées. Plus de la bouche. Non, les lèvres gercées. Non, non, ça c'est les ongles noirs. Flemmard a dit carrément je m'assois tellement c'est trop. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Celui qui mange les os du poulet. Ah, non, j'aime pas. Mais si, parce que ça dépend. Ça dépend de. Erwan a dit carrément, je dis burk. Quand tu manges, genre la manière dont tu le manges. Déjà, moi, j'aime pas. La manière, oui, mais c'est une différence entre la manière et manger. Amise, purée, Amise un buffle. Elle a dit, bah oui, on est venu manger, pardon. Amis, arrête, tu nous fais passer pourquoi là? Pourquoi elle mange comme ça? Vraiment, elle fait du mal à la gente féminine. Mais oui. Je voulais juste rajouter un truc. La fille en même temps elle me demandait mes frites. Mon hamburger. Je mangeais tranquille, elle me dit. En fait, je crois qu'elle était venue là pour manger. Oui, je crois qu'elle t'aimait pas. Il y a quelqu'un qui a dit un tue l'amour, pas drôle. Ah, ça c'est vrai. Oui, conversation sec là. Ah, quelqu'un a dit tue l'amour, les hommes, moi. On parle que de eux. Ah ouais. Faut trop placer leur ego. Oui. Ça c'est pas. L'élève GRC. Non, le pire c'est les ongles noirs. Les mythomanes qui s'inventent des vies pour impressionner. Les garçons sans crème. Ah oui. Il y a des filles qui sont bien sans crème aussi. Ah une bombe. Non mais c'est vrai pour ça, il y a des filles aussi dans le manque de crème. Parfois chaud, parfois on dirait vraiment tu frottes ta peau, ça fait du feu, franchement. Ah mais des fous. Ok, les hommes qui ne savent pas parler. Ok, je regarde le chat. Les femmes sans principe. Ceux qui font trop les bouxères. Tu as 14 ans là, arrête. Arrête, toi là, je ne veux pas que tu commandes des choses, toi là. Va regarder Midi Zouzou là. Les égoïstes, les arrogants, les radins, les non-entreprenants, les dents jaunes. C'est vrai que. Les DLG, c'est quoi DLG? Dents latéralement jaunes. Les gars qui négligent l'hygiène, manque de respect, manque d'humour, les menteurs, ma folie. Nadine. Les gars sont. Les longs ongles sont tous les derniers. Ah mais ça, ah non, ça. Non, ça, non. Et ça, ça me dérange. C'est pour me gratter. Oui, moi aussi. Il m'a dit c'est pour me gratter. La tête, ça me dérange. Il avait dit. Ah, c'est dégueu. C'est dégueu. Berk. Moi j'ai des belles, t'as vu? C'est souvent les Africains. Un peu. Moi j'ai des belles, moi. Arrête du goût. Et les Ivoiriens. Un jour. Les mecs qui sortent avec leurs lunettes de soleil la nuit. Attends, quelqu'un a dit les garçons qui n'aiment pas la douche. Quelqu'un a dit les culottés. Quelqu'un a dit. Les gens incultes. Ah ouais. C'est vrai ça. Non, mais ceux qui rabaissent tout le monde. Les filles qui ont des perruques pour cacher leur calvitie. Oh les gamins. Les filles qui ont des perruques pour cacher leur calvitie. Il a dit ça. Ah. Les locks sales. Les locks sales. Ah ça tire. La saleté sous les ongles. Les narcissiques. Ouais. Oh my god. Ok bref, ok. Toi tu l'amour, raconte ton anecdote alors. Ok on va durer alors, si vous êtes là on va durer un peu. Vas-y, anecdote. Bon, moi j'étais pas encore avec la personne et c'était peut-être deuxième. C'est quoi le nom du garçon? Nils. Nils, ok, tu peux trouver un nom plus simple, on va l'appeler James. James, ok. Donc c'était mon deuxième. Brian. Brian, yes, Brian. Ok. Where is Brian? Brian is in the kitchen. No, in the kitchen of Nirina. Oui. Le vent. Et c'était le deuxième rendez-vous. Et en fait. T'avais quel âge? 17. Ok. Et c'était la deuxième fois. Et, quelqu'un a dit les Mapaka solo, c'est quoi ça? Les qui? C'est Mapeka. Ah. Mapeka solo. C'est vrai. Mapeka. Ouais. Ceux qui bavent avec plein de salive et qui se lèchent la main. Sèche la main. Oui, non, mais oui, mais ça, c'est ça, c'est un ours. C'est un ours, ça, c'est pas un être humain. Les filles qui se lavent pas. Non, 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 attendez. Non, c'est vrai. Quoi? Mais oui, c'est tout le monde. Non, frère, tu as eu beaucoup d'ex? Frère, j'ai une anecdote. J'ai pris qu'elle ne regarde pas. Parce qu'elle s'est convertie en plus. Un jour, j'avais une ex. Enfin, un jour. Elle vient à la maison. Parce que voilà, c'était l'été, il n'y a personne à la maison. Elle avait un Marcel. Mais, pas les, mais les Marcel des filles, là, stylé. C'était en 2013, c'était le style à l'époque. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Vous inquiétez pas. William, fais un petit câlin. William, je faisais du foot. Non. William, à la fin de la deuxième mi-temps, je sentais meilleur qu'elle. Oh. 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 Elle se touchait pas. Hein? Quoi? Elle a pris le tram en venant, c'est pas... Le tram en venant? Non, parce qu'elle habitait juste à côté, donc même si elle fait le tram, je peux pas sentir ça. Ah ouais, il faisait chaud, mais la vérité, là, il fallait vraiment... À moins qu'elle a couru et qu'elle a fait des allers-retours avant pour s'entraîner, qu'elle a fait des pompes avant. Je sais pas, hein, mais... Ah non, incroyable. Tu vois, là... Tu vois, ce qu'on... après Insanity, ce que tu sentais? Tu te souviens comment on sentait, non? Frère, pareil, incroyable. Il y a des filles qui ne se lavent pas. Et je vous parle vraiment, les filles. Vrai. En fait, il faut être propre, en fait. Même les garçons. En fait, écoutez, vous, quand vous ne vous lavez pas encore, vous êtes un bébé, en fait. Vous êtes immature dans votre vie. Et vous ne porterez jamais de fruits pour le Seigneur. Vous me direz, mais quel rapport? Parce que tu es immature même dans ton corps. Tu es immature dans... Tu veux gagner qu'à l'âme. Tu pues, tu as gagné qu'à l'âme. Non, non, c'est vrai. Non, je vous dis ça. Beaucoup vous aspirez à des hommes, des femmes de Dieu. La vérité, si tu pues, tu deviendras personne. Enfin, désolé, mais non, si t'as pas la discipline de te laver, non, pour moi, quelqu'un qui se lave pas vit dans le péché. C'est vrai. En plus, moi, j'étais à l'internat et my God. Je rigole hein, pour le péché et la douche. Non mais attends, excuse-moi, juste parenthèse, excuse-moi. Non, la vérité, la sainteté, ça commence aussi par le corps. Il faut respecter son corps. Vous devez vous laver, les gars. Mettez pas des habits qui puent et tout. Mettez pas ça. Mettez pas ça. Faites-le pour vous. Non mais je sens que ça te touche là, ce que je dis. Je vais avancer alors. Je vais avancer. Non, 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 je vais avancer, je vais avancer. Je sens que ça te touche. Je vais avancer. Il faut se laver. Surtout les filles, avec votre maquillage, après, ça va impresser votre peau. Ah oui, non, ça fait dégueu. Lavez-vous, c'est important de vous laver en fait. C'est important. Oui, vas-y. Je disais, j'étais à l'internat et... du coup, il y avait beaucoup de filles et il y en avait qui ne se lavaient. En fait, on était en sport-études, je tiens à préciser. On était en sport-études, ça veut dire qu'on faisait beaucoup de sport. Et il y avait des filles, mais en fait, elles faisaient semblant de se laver. Genre, elles rentraient dans la douche. Quand tout le monde rentrait dans la douche. Quand t'aimes pas la douche, c'est quand t'es un enfant. Oui, mais c'est les enfants. Enfants, vous aimez pas la douche, non? Oui, quand on est petit. Attends, qui aimait pas la douche, enfant? La vérité. Moi, je voulais pas me laver. Quand j'avais 8 ans et tout, là, je voulais pas me laver. Jamais. C'est tes parents qui me forcent. Je me rappelle pas non plus. Je comprenais pas ça servait à quoi et tout de laver. Mais ça, ça veut dire que t'as encore 8 ans, en fait. Quand tu grandis, tu prenais des bains? Oui. Un bébé, lui. Tu vois, en fait, quand tu grandis, il s'agit de se laver, en fait. C'est ça. Vas-y, donc, vas-y. En fait, on rentre tout le monde et tout rentrait et tout. En plus, c'était des douches. Non, ça c'est vraiment quand tout le monde rentrait et tout. Tout le monde rentrait et tout à la douche. Je pense pas aux autres, tu marches pas dans la gapée. Elle rentrait, elle faisait genre, elle rentrait. Bah nous on se douchait, on calculait pas. On ressort, on voit elle est là maquillée, tout ça, elle fait ses cheveux, tout ça. Mais on se regarde, on se dit mais sœur, en fait il s'agit de se laver là. En fait tu pues. Personne ne l'a dit. C'était Lana. C'était non, c'est pas. Non, c'était pas Lana. C'était Gabriella. Non, non, c'était pas de mes copines. C'était Alexia. Non, c'était pas mes copines. C'était des fouteuses dans la team d'Estelle. C'était Estelle. Mince. C'était Estelle Plot pousse mieux. Attends, on l'appelle Estelle la dégueulasse. Estelle la dégueu. Estelle la dégueu. C'est qui? C'est Estelle. La quoi? La dégueu. Voilà. En fait, elle n'avait pas de serviette. On a retrouvé sa serviette à la fin de l'année. Cachée, cachée, cachée. Oui, bah oui, elle n'avait pas de serviette. Bah, je sais pas pourquoi tu veux que... Les garçons, vous en pensez quoi? Les garçons, vous en pensez quoi des filles qui ont des taches sur la peau? Bah c'est qui a dit ça? C'est pas, oui, c'est pas comme si la personne elle se fait exprès, elle se met des patates pour des taches quoi. C'est non, c'est surtout que non, c'est ça arrive à beaucoup et c'est pas grave, c'est pas. Moi, je trouve pas ça grave, hein. C'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas, ça n'existe pas une fille qui se lève le matin et qui tu veux avoir des taches sur la peau. Non, c'est voilà. Donc non, c'est un truc comme ça. Non. Oh, je déclare, j'appelle my God, ribalibaria. Oh, I'm calling the touch upon my skin. Non, je peux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que la fille peut raconter son anecdote? Ah oui, c'est vrai. Oui, vas-y. Oui, du coup, c'est James, c'est ça, ou Brian? Brian. Oh là là, Andrick, le garçon dit on tape des 1 semaine sans se laver. Vraiment, là, c'est ton partage. Vraiment, c'est ton partage, la vérité. Vraiment, c'est ton partage. Tout seul. Comme ça, c'est dit. Vas-y, vas-y, raconte. Du coup, Brian, c'était la deuxième sortie, et il m'avait dit oui, là, vas-y, je t'emmène au resto, je sais pas quoi, mets-toi bien, habille-toi bien, tout ça. Donc, ok, pas de souci. Moi, tu me dis, me mets bien, je me mets bien. Et mais attends, mais là, t'as quel âge déjà? T'as 20 ans? Ouais. Avant, t'avais 16? Ouais. D'accord, du coup, t'avais un siège auto pendant la voiture. Non. Et du coup, vous êtes allé comment en voiture? Comment? Vous êtes allé en voiture? Non. Comment? Ah si, on était en voiture, je crois. Avec qui? Je crois que c'était un de ses amis qui voulait. Il a quel âge? Mais au final, justement, je suis pas allée. Donc, il avait quel âge lui? Ah, mon âge. Mais comment il conduisait? Non, il conduisait pas, j'ai dit c'était un de ses amis qui voulait nous emmener, mais justement, on n'est pas allé. Ah, vous en demandez. Les gars, Steven. Bon. Ouais, on est d'accord? Yes. Ouais, yes, on se comprend, yes, merci Steven, on est connecté dans l'esprit. Yes, on s'est compris, yes, non? Ouais. Non, toi non, t'as pas compris? T'as compris Archimède ou pas? Non? Vous les filles, vous avez compris? Non, oui, il avait 16 ans, il sortait avec un gars de 24, c'est bon. Voilà. Ah, non, il était vraiment pas dans mon lycée et tout. Il a dit qu'il avait lycée. Il était dans le même lycée. Oui, il pouvait être dans le lycée avoir doublé 4 fois. Oui, et donc, bref. Super anecdote, il conduisait, yes. Bon, bah. Alors, as-tu l'amour les autres? Oui, vas-y. Non, bon, voilà. Et en gros, il m'avait dit de me mettre bien et tout. Bon, moi, je me suis pas mis non plus talent et tout, mais j'étais quand même bien habillée, mais préparée, tout ça. Et il m'avait envoyé sa tenue et tout. J'ai dit, oh, bah, je m'accorde. Enfin, il était bleu foncé. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je me mets en bleu foncé. Il avait un costume, genre? Bref. Non, on était juste bien habillés. Mais rien de. Bien habillé, c'est à quoi? C'est à qu'il avait des. Je sais pas, genre, il n'était pas en mode jogging et tout, quoi. Genre, il avait fait. Ça, c'est bien habillé, ok, ouais. Enfin, il avait fait un effort, on va dire, c'est comme ça. Et il m'a envoyé tout ça, des trucs. Enfin, il était bien habillé, quoi. Et du coup, je me suis mis en fonction, tout ça, voilà, tout allait bien jusque-là. Bon. Et après, du coup. Bah, je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint, et au final, il a. Tu sais que sans blague, le niveau d'internaute vient de descendre. Sans blague, il y a 2 personnes qui viennent de quitter. Vas-y, continue. Mais c'était avec moi à l'école, je sais pas. Bon, et du coup, je le rejoins et au final, il n'avait pas du tout la même tenue. Et il était vraiment en mode dégradé. Et au final, il a dit on y va en train, tout ça. Et enfin, vraiment, il m'a tout. Enfin, il a tout. Voilà. C'était quoi le titre? Et bah, en gros. Mon Dieu, il y a 10 personnes qui viennent de quitter. D'accord. Je te promets, t'es 45, on est 35. T'as vu, non? Oui, je sais que c'est vrai. Oui, vas-y, tu es bon. Mais du coup, ben. Moi, je suis bon. Le truc, c'était de 1 sa tenue. Il m'avait laissé en gros toute seule comme ça. Ok, ouais, c'est vrai que c'est super. Et on prenait le train. Le train et tout, ouais. L'RER et tout, la RATP, c'est un bon mauvais. Oui, vas-y, la scène, c'est bon. Vas-y. J'ai un tue l'amour. Les gens qui rotent. Attends, moi, j'ai un tue l'amour. C'est les gens qui ont des histoires pourries, en fait. Voilà. C'est vrai que là, c'est pas drôle. Mais là. Ah, yes, purée, Ethan, je ne parle pas, on vient de prendre 3 personnes connectées là. Allez, tu es ouah. On était 45, on est à 35 quand on a parlé, t'as parlé, on est monté à 38. Vas-y, continue, Ethan. Parle, Ethan. Les gens qui rotent, j'ai une anecdote en plus. Les gens qui rotent? Oui, les gens qui rotent. J'étais avec une fille. On était ensemble. Bon, on était, voilà, c'était dans le monde. De quand tu sais qui c'est. Mais Ethan, tu es. Oui, voilà, mais. T'avais quel âge? C'était jeune, c'était l'année dernière. 11 ans. Dernière? Ah, je croyais que t'étais déjà en crise. Non. Et my god, on vient de monter au-dessus, on était à 245, on a 249. Ethan, je te promets, vas-y, parle. Et toi, coupe le micro. Vas-y. J'étais avec une fille, et là, bah. Ça mérite des points, merci. Qui a dit ça? C'est lui. C'est quoi? Et parce que t'es bien habillé, une belle chemise, tu gagnes des points. Je vais te prendre 2 points, vous montez à 16. On est à 16 contre 19. Ouais, parce que vous ne parlez plus les filles, vas-y. Donc j'étais avec une fille, tout ça, on était en train de parler. Puis après, elle me dit, attends. Moi j'attends, elle rote et après elle souffle. Allez, attends, tu peux faire la scène, s'il te plaît, vas-y. T'es en face de la fille, vas-y, qu'est-ce qui se passe? On était en train de parler, tout ça, on rigolait, on rigolait. Après, on m'a dit, attends, je fais oui. Elle t'a soufflé dessus? Oui. J'ai fui. Non, mais ça, c'est même pas ça. Pour moi, c'est un motif de bagarre. Ah oui. Je pense vraiment qu'il faut se battre. Das, qu'est-ce que vous en pensez du fait de se battre entre filles et garçons? Non, ça se fait pas du tout. Bah non, on fait pas ça. Énervé? Non, regardez, parce que... Vous savez pourquoi j'ai lancé ce débat? Ouais. Parce que là, il y a une partie qui dit non. Je regarde Angéboa, là. C'est ça! Et en fait, Angéboa, elle est comme ça, et en fait, elle parle pas, en fait. Oui, Ange? Oui, Ange. Ah bon? Elle avait se battre. Voilà, un point en moins pour les filles, parce que vous êtes des racailles. Si. Mais je me bats pas, je me suis jamais battue. Arrête, regarde ta tête, t'as une tête de bagarreuse, là. Non, moi, je suis vraiment dans le groupe, je suis celle qui ne me bat pas. On dirait que tes boucles d'oreilles, tu les as volées sur un biker, là. On dirait que t'as frappé un biker, tu lui as pris les boucles d'oreilles après, arrête ça. Un autre, tu l'amours, quelqu'un, tu l'amours ou pas? Oui. Des gens sans ambition. Manque d'ambition, je trouve ça vraiment dégueulasse. Genre vraiment, c'est écœurant. Ah oui, je comprends, d'accord. On a dit que je suis là. chansons sur des sons me dégoûtent. Ah oui, ah oui. Je comprends pas. Ah oui. On veut au jour le jour. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Écoute, Naomi, c'est quoi? Tu perds ses culs. Là, je pèse mes mots. Ah, tu pèses. Wow. Ça me dégoûte réellement. On parle, tu n'as pas d'ambition. Je trouve ça dégueulasse. Tu es un garçon en plus. Tu dois, comme l'apôtre dit, tu dois porter le pantalon. Mais tu n'as pas d'ambition. Je trouve ça dégueulasse et ridicule. Voilà. Dégueulasse, c'est vrai. Ah non, non, c'est vrai qu'un garçon qui n'a pas d'ambition, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui porte des strings. Pour moi, un garçon sans ambition, c'est un garçon avec strings. Dégueulasse. T'as des ambitions? Oui. Vraiment tout le monde? Non frère, il y a des hommes sans ambition, on appelle ça des stringers. Oh, stringer belle, stringer belle, Jenny belle, belle. En Christ, non 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 frère, frère. Ça c'est une disquette. Ah ouais? Ah frère, tellement de gens en Christ là, tellement de frères, même en Christ, n'ont pas d'ambition des stringers, je te dis. En fait le problème, et pourquoi je dis que ça me dégoûte? Des stringers. Et pourquoi je dis que ça me dégoûte? Parce que en fait je parlais avec une personne. Et je lui disais avant d'être en Christ que c'est non, c'était pas là. D'être en Christ, que moi je voulais avoir mon code, mon permis, que je voulais avoir un travail. C'est de l'ambition ça? Non mais parce que ça, pour moi ça c'est pas l'ambition, pour moi ça c'est. Oui, oui, pour moi c'était juste des objectifs normaux. Et il m'écrivait, il me disait mais non mais pourquoi t'es pressé? Je faisais mais c'est normal, ça fait partie de toi. Mais pourquoi t'es pressé? Attends que je l'ai. J'ai dit mais je vais jamais t'attendre. C'est ça les gens sans ambition, c'est que même les choses minimes comme avoir son permis, avoir un travail, les gens ils voient comme si c'était un truc de ouf. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment dégueulasse parce que ce qui est pour vous des objectifs, pour eux c'est des ambitions de ouf. Moi quand je lui ai dit oui j'ai 17 ans peut-être mais je veux vraiment faire de grandes choses, non mais ils buguaient. Ça buguait. Ça bégait fort, ça bégait. Ça bégait fort. Et c'est pour ça que moi je dis que ça me dégoûte parce que je sais pas ça pour critiquer, mais vraiment, en fait, on n'a pas les mêmes standards. Et à partir du moment où on n'a pas les mêmes standards, on peut pas marcher ensemble. Amen. Ça, c'est juste un dernier tu l'amour vite fait. C'est les questions dilemmes. Les questions dilemmes. C'est-à-dire en mode, moi on m'a déjà posé la question. J'allais juste, en fait, j'allais à Carrefour avec la personne. Et quand j'allais à Carrefour, on allait juste acheter à manger. Et la personne elle m'a dit, tu préfères moi ou YouTube? Et donc c'est le problème des youtubeurs. Ça faisait non, j'étais très franc. J'ai dit bah YouTube. J'ai dit je fais YouTube depuis. Non, m'a demandé de préférer moi au Modric. J'ai dit Modric. C'est des questions que c'est pas Modric, c'est quand même Modric. Je comprends pas les questions en fait. C'est quoi le mot au Modric? Des questions dilemme comme ça. Et les filles, ils aiment trop pas ça. Non, parce qu'en fait, ils ont d'être rassurés. Peut-être parce que tu la rassurais pas assez. Mais le truc c'est ça. Mais non, mais un point pour les filles, non? Un point pour les filles. Après, un point quand même. Après, il y en a. Même il applaudit. Non, on est du côté des filles un peu, non? Vas-y, un point pour les filles au plat. Oh non. Non, voilà, donc ton intervention. Bon. Voilà, bon, avant le Let's Game, parce qu'on va jouer un peu là, on va jouer parce que finalement les gens sont connectés, donc on peut bien continuer. Ok, d'ailleurs je rappelle qu'il y a maintenant le numéro, la ligne que vous pouvez contacter. Il y a le frère Alexandre qui fait Prayer Bomb, vous l'avez souvent vu sur Prayer Bomb, qui est prêt à prier pour vous pour besoin, le mariage, j'en sais rien moi, l'école, les études, tu cherches une alternance, tu cherches un travail, tu peux l'appeler maintenant, il y a la hotline, tu peux l'appeler. Et voilà, il va prier pour toi. La hotline s'affiche maintenant, c'est jusqu'à 15h disponible, donc profitez-en vite. Vite. Non, c'est vrai que les ultimatums, c'est vraiment. Moi, le terme, vraiment, c'est femme folle. C'est vraiment un truc de femme folle. N'entre pas, franchement, ultimatum, non? Non, c'est bon, franchement. La personne t'a dit je t'aime, c'est bon, crois-le, quoi. Marche par la foi, à un moment donné. On marche pas par la vue, on marche par la foi. C'est vrai, marchez par la foi, quoi. C'est vrai, marche par la foi, quoi. Marche par la foi, quoi. Ok, alors dites-moi. Ok, bon, je vais lancer. Je vais lancer, quelqu'un dit Modric est beau. Modric est beau. Ok, bon, ça c'est pas le sujet. Okay. Dernier sujet avant le Let's Game. Dernier sujet avant le Let's Game. Au restaurant qui paye l'addition. Bah alors là. C'est moi direct. Bah alors là, on va pas direct. Ok, maintenant ça c'est le début. Maintenant vous êtes mariés. Non là, quand c'est comme ça on peut s'arranger. Non c'est les deux. Non on peut s'arranger les deux. On s'arrange. On s'arrange. Je refuse. Tu refuses quoi? Tu refuses, vas-y, explique-nous. Personne ne me paye. Vas-y, développe, je t'écoute. C'est moi qui paye. Amen. Ouais, je t'écoute. Bah voilà, je paye au restaurant. Amen. Voilà. Ouais. Amen. Paye le Ethan? Moi aussi je paye. Non, mais sinon après. Voilà. Aimer, c'est donner, hein. C'est pour montrer l'amour. Non, c'est pas obligé en vrai. Tu peux ne pas payer, hein, frère. Parce que d'un côté, on parlait tout d'égalité, bah pourquoi? Mais là, on parle de début ou oui, non, mais même, ou... on pouvait parler d'égalité. Bah oui, c'est ça. Quoi, alors parce que, non, moi non, personnellement, ça, moi je paye, moi non, je paye. Moi je paye, moi je paye. Moi je paye, moi je paye. C'est ça le problème. C'est pas une question d'égalité. Donc ta femme, elle va mettre le genou à terre pour te demander en mariage. C'est l'égalité. C'est l'égalité aussi alors. Aucun rapport. Mais si. J'enlève un profit, j'avoue. Mais si, c'est pareil. Ils disent c'est l'égalité. C'est l'égalité, bah dans ces cas-là. Dans le chat, qu'est-ce que vous dites? Dans le chat, qu'est-ce que vous dites? Dans le chat, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, pardon? Dans le chat, les deux. Ok. Au début, on demande c'est le gars. Maintenant, après, vas-y, on peut s'arranger, c'est pas grave. Au début, pour vous, c'est le gars, Simone? Ah oui, clairement. Vous avez le droit de dire non? Oui, non. Vous avez le droit? Vous avez le droit? Quelqu'un a dit c'est souvent culturel pour l'addition. Non, pas du tout. Je pense que c'est la culture de l'humanité. Au début, c'est tout le temps moi. Moi, directement, même moi, ça me... Ça me gêne que quelqu'un... Ah non, moi, j'ai souvent refusé. Après, j'ai eu des relations où ça a duré dans le temps et après, pour me faire plaisir ou comme cadeau, des trucs comme ça, bien j'ai accepté tout simplement. Mais au début, non, je préfère prendre directement. Moi, j'ai dit au début, surtout les filles, ok, les garçons vous payez, mais partez avec de l'argent aussi. Hein, parce que, non, pour de vrai, les garçons, ok, faut payer tout, mais les filles, pardon, partez avec de l'argent quand même, parce que, hein, il y en a. Tu dis quoi, Elias? Moi, je dis, au début, oui, hein. Au début, oui, après, à long terme, tu vois, ça va, quoi. Après, c'est quoi dans long terme? Il a dit, ça va, c'est le rendez-vous, j'ai plus d'argent, gros. C'est quoi, Mathieu? Peut-être Prosper Côté. Non, en vrai, moi, je me dis, ouais, au début, pareil, au début, bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son RIB, ok? Je vais prendre son RIB toutes les semaines, je vais lui virer 500 balles. Voilà. Comme ça, quand on va manger, on aura une carte spéciale, comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est vrai qu'il y a des cartes, il y a des couples qui font ça. Il y a des couples qui ont... Voilà, je vais lui faire... Non, non, moi, personnellement, je paye. Même mariage, pas marié, moi, je paye tout. Je paye tout. Non, 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 je paye tout. Non, je paye tout. Vraiment, si on paye, j'ai l'impression vraiment d'avoir un stream. Non, vraiment, si on paye. Non, je vous dis, pas vous. Non, vous les gars, ça vous dérange pas? Si. Ça vous dérange pas? Attends, quand même, t'es censé être l'homme. Non, mais soyez contente, c'est bien. Non, non, je dis ça parce que c'est ça qu'il y a des mythos là. Eux, il y en a que ça dérange pas. C'est deux rendez-vous, c'est bon, c'est le long terme. Non, moi personnellement, c'est la galanterie. Moi, c'est l'honneur. Je pense que la galanterie, c'est l'honneur dans le couple. On est sur quelque chose. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, la galanterie, non, faut payer, faut honorer. Faut honorer, tu vois. D'ailleurs, la Bible veut dire Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, on a vu que aimer c'est donner. Oui. Et donc bah, on donne. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ouais. Alors. Oh, quelqu'un a dit l'homme paye, mais le garçon va dire on partage. Wow. Ah oui. Merci. Il y a une différence. Je peux parler de ça. Attends, j'ai une question juste. Est-ce que les gars vous êtes déjà allés manger avec une fille et en fait vous avez pas payé? Ah oui. Ah oui. Non, même moi avec les brebis et tout, je paye tout. Oui. Moi je suis déjà allé. J'ai pas payé. Parce que c'était pas prévu. Et en fait. Bah, non, mais c'est pas ça. Ok, très bien, Elias. Non, mais attends. Je comprends. Mais quoi? Non, j'ai compris. T'inquiète. C'est que t'avais pas prévu l'argent, c'est pas. Bah, bien sûr. Moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé avant dans le monde. Ça m'étonne. Non, tu vois, j'étais vraiment un radin avant. Ah, ça se voit. Non, ça se voit. Lâche la ceinture. Lève-toi, là, lève-toi. Regardez bien comment sa ceinture. Regardez sa ceinture. Regardez comment elle est serrée là dans son pantalon. Les poches, elles sont bloquées. Il ne paye pas. Les poches, elles sont bloquées. En dessous, c'est bloqué. Un jour, un petit témoignage. Un jour, en fait, j'avais capté une fille, tout ça, et genre, j'avais payé de ça un bon menu, tout ça, et après, le lendemain, en mode, elle m'a bloqué. Il faut être restauré. T'as payé un menu, t'as payé 15 €. Il était dans le monde. Moi, personnellement, moi, j'avais eu des ex qui étaient très prospères, même des filles de footballeurs, même un footballeur très, très connu. Qui a gagné... non, mon Dieu, j'ai le dirais. Non, non. Ouais. Voilà. Et du coup, elles avaient plus d'argent que moi. Donc du coup, je me suis dit... Bah, c'est vrai que... Oh pourquoi ne pas en profiter? J'étais dans le monde. Pourquoi ne pas en profiter? Et du coup, voilà, des fois... Allons-y, j'aimais beaucoup les cadeaux. Alors, voilà, bon bref. Voilà, débat de société fini. À vous, là, pour vous, c'est clair. Ah non, là, c'est le garçon. Non, c'est l'homme, pardon. C'est l'homme. L'homme, ok. Bah, moi, personnellement... Ouais, Jessie. Non, vas-y, bah moi personnellement, enfin au début c'est normal, mais même durant, même si c'est un début de relation, je pense qu'aussi la fille elle peut payer. Enfin parce que voilà quoi. Oh, non, non. Ouais vas-y mais moi, encore. Je trouve que parce qu'après, Enfin, des fois, il y a des filles qui aiment bien aussi payer aussi pour montrer qu'elles aussi, bah, elles peuvent en fait. Enfin, que c'est pas que l'homme qui va et la femme, elle fait rien quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je sais pas besoin de payer pour montrer que je peux. Moi non plus. Ah non. Moi, ça se verra mon avis. Un meunier. Le but, c'est d'être servi. Non, payer ne montre pas que tu peux. Sinon, tout le monde. C'est pas un restaurant qui montre que tu peux. Voilà, non, c'est pas ça. Non, ça veut dire juste que c'est surtout que si c'est toi qui as invité, c'est toi qui mets l'argent, tu as invité. Ah non, attends. Mais là, on parle du cas où en fait vous allez à deux en fait. Non, mais après, si la personne a invité. Moi, pour moi, la vérité, c'est même gênant. Moi, je déteste quand je mange avec des gens. À la fin, on fait l'addition. Alors moi j'ai pris ça, c'est bon mon frère. C'est bon. Mais après j'avoue si la personne elle a invité, bah elle t'a dit ouais viens on va au restaurant, bah là c'est sûr qu'elle doit payer. Bon, en tout cas on a fait un bon petit débat maintenant. J'ai envie de savoir qui sont les meilleurs garçons, qui sont les meilleurs entre les filles et les garçons. J'ai entendu un peu vos sujets, mais vous vous aimez beaucoup entre vous non? Ah oui. Bien sûr. Tiens d'ailleurs même avant de passer au jeu une question, tu préfères avec des garçons ou des filles toi généralement? Enfin. Vous avez plus d'amis filles ou garçons? Garçons. Toi garçon, toi? Garçon. Garçon? Maintenant fille. Fille? Ah oui, maintenant ouais. Garçon? Avant c'était plus garçon, mais moi c'est fille. Garçon? Moi fille. Si. Donc en fait vous êtes une garçon, toi, fille ou garçon? Amis? Les deux. Les deux? Enfin, garçon? Garçon? Les deux. Garçon. Moi avant il y avait beaucoup de filles, mais oui, ça c'est garçon. Il y avait beaucoup. Ah moi les deux hein. Moi les deux. Moi les deux. Oh non. Los dos. On va maintenant passer à un petit jeu. J'aimerais un homme qui ne prie pas. Mais, non, c'est pas une option. Une femme charnelle. Pourquoi on n'a pas fait ce genre de débat? Parce que pour nous, je pense que c'est évident. Ah non, non, vraiment, c'est évident. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh j'aime Jésus. Oh là là, oh là là, s'il y a quelqu'un là qui vient entraver ma relation avec Dieu, je te mets au cachot. Je t'enferme dans le KGB. Quand j'étais petit, mon cousin m'enfermait dans la salle de bain. Dans le noir. Il me mettait dans la salle de bain, il m'enfermait avec une clé. Je te promets que je te fais ça. Je parle à toi là. Voilà. Si Jésus tarde, vraiment là, non, non, si c'est pour m'empêcher, bien développer ma relation avec Dieu, je t'enferme dans la salle de bain. Je disais alors, bon, on va maintenant passer à un petit jeu, j'ai des petits jeux. C'est le Let's Game. Fresh! Ok. Alors, j'ai plusieurs jeux, je vais vous laisser choisir. Dans le chat, vous allez choisir. Le premier jeu, c'est un jeu d'imitation. Un garçon ou une fille doivent imiter quelqu'un, celui qui imite le mieux gagne un point. Parce que là, on est sur 16 points pour les garçons, 17 pour les filles. Deuxième jeu, c'est un jeu où en fait on fait... Oh ça on va le faire, j'ai même pas besoin de demander. Autre jeu c'est question pour un... Bon non ça on va pas le faire. Autre jeu c'est dipomètre. C'est qu'en fait on va calculer vos profondeurs. Vous allez voir qui sont les plus deep entre les filles et les garçons. On va vous donner un sujet, vous allez exhorter, vous allez à la profondeur. Vous comprenez? Ensuite on a un autre jeu, ça s'appelle le jeu de la drague. Vous allez devoir être le plus dragueur. Vous voulez qu'on commence par lequel? Dites-nous dans le chat. Ils vont choisir. Diplômé? Ils vont choisir quoi? Dipomètre? Ils vont choisir de la drague. Archmet, t'as le casque? C'est sûr, ils vont choisir ça. Ok, Archmet, prends le casque. Ok, qui veut? Regardez, on va mettre ce casque dans les oreilles de quelqu'un, ok? Il y a quelqu'un qui aura une musique très très forte. Il faut que ce soit, je pense, plus quelqu'un qui soit devant là parmi les 6. Et quelqu'un ne va pas entendre ce qu'on va dire. Et on va dire un personnage et il va devoir le deviner en une minute. On va faire ça filles et garçons. Les garçons, qui est votre challenger? Concertez-vous, concertez-vous, concertez-vous. Et les filles, qui est votre challenger? Qui entend bien? Mais non, mais c'est pas. C'est mieux quelqu'un devant, quelqu'un devant, ils ont les micros. Quelqu'un devant, ils ont les micros. Quelqu'un devant. Vas-y, vas-y. Naomi? Ok, et vous? J'ai l'impression que ça part rentrer avec la coupe. T'es sûr? Vite, vite, bon c'est bon, vite, qui? Archimède, ok. Archimède commence, mets ça Archimède. Dans tes oreilles. Ok, Ethan, tu vas t'assurer, allume-le, il est connecté à ton téléphone, donne-moi ton téléphone. D'abord. Enlève le flash. Mais en même temps, il a le flash. Ah oui, oui, tous les jours. Pourquoi il a le flash? Il a beaucoup. Vas-y. Ah oui, les garçons qui ont peur du noir. Ah, c'est connecté? Ok. Les garçons qui ont peur du noir. Même les filles qui ont peur du noir. Ok, est-ce que là, le son est fort? Mets-le bien dans tes oreilles, frère. Triche pas. Vraiment, si tu m'entends là, ne... Ok. T'as pas Amerigo? Bien. Tu peux mettre Amerigo parce que. Néo? Si. En plus, elle est horrible. Si. Ok. Des Amerigo. On va mettre du Théophilus. Ah, c'est le prix en langue. On va mettre ça. On va mettre un culte. Ah non. Je vais louer. Oh, c'est quoi ton téléphone bug, frère? Pardon, on a un jeu là, c'est quoi? Purée, mais c'est pas Jessie qui t'avait acheté le téléphone en plus. Jessie, il faut racheter un système, ça marche pas. C'est où Amerigo? Ah, ok, merci. Okay. On va mettre un culte alors. Okay. On va gagner. C'est fort ou pas là? Ah oui. Ah oui, on entend. C'est fort? Vous entendez là? Oui. C'est fou quoi, y'a rien de fou. Non, quand il a fait ça. Quand il a fait ça, le son de cut il est pas fort. Ah mince, ok. Ouais, c'est... Ouais, faut mettre une bonne musique. T'entends là? J'entends. Allô? Donne le casque. Donne le casque. Ah, il entend pas. Ouais. Ah oui. Parlez pour voir. Alors tu me comprends, Espo? On entend un peu. Hein. Mais non, mais une personne. Ok, bloque-le ça dans ses oreilles, bien, bien, bien. Attends, ce qu'il y a même une musique là qui fait encore bien fort encore. C'est que des bonnes musiques. Hein. Car j'ai envie vraiment qu'on passe un temps d'adoration maintenant. Et... une autre dimension, c'est fort ça ou pas? Allez, on va aller. Ah oui, ouais, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Tu veux parler pour voir? Voilà, je dis sur télé. Parler pour voir? Est-ce que tu m'entends? La ville est belle. Ok, voilà. Ok. Ah, oui, mets ça sur tes oreilles. Ok, tu vas devoir deviner un personnage. Ok, mets ça sur tes oreilles pour pas que tu écoutes. Bloque-le, force-le. Ethan, force-le sur ses oreilles. Bien, triche pas. Vas-y, vas-y. Triche pas. Vas-y. 3, 2, 1. Ok, on va lui trouver un personnage. Et on va voir combien de temps il va prendre. Ok. Combien de temps on prend? Quel personnage? Ferme les yeux. Les mains. Vas-y, Ethan, force les mains. Force vraiment fort. Vas-y. Vas-y, vite, vite. Un personnage dans la Bible, même un héros. Moïse. Non, Jézabel. Jézabel, non, 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 on va prendre un personnage, pas biblique, un personnage, un super-héros. Un Simpson. Homer Simpson. Ouais. Homer Simpson. Non, non, Bart Simpson. Bart. Ok, ok, c'est bon. C'est dur, Bart. Ok. C'est dur à imiter. Ok, enlève. Ok, regarde bien. On a un personnage maintenant. Vous l'avez entendu le chat, hein, vous avez entendu. Ouais. Et vous, vous avez pas entendu dire les garçons, ok, aucune aide. Yes. Tu vas poser des questions et on va te dire oui. Et on va faire un décompte maintenant pour savoir combien de temps est-ce que tu prends. T'as compris? On peut répondre que oui à tes questions. Tu es un personnage, tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme, tu es quelqu'un. 3, 2, 1, go. Je suis un homme. Oui. Oui. J'ai fait de grands exploits. Non. Non. Alors là. J'ai fait une émission. Non. 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 Je passe à la télé. Oui. Oui. Je suis un super-héros. Non. Non. Je suis un comédien. Non. Non. Je suis une star. Non. Oui. Si, ouais. Je passe à la télé. Oui. Oui. Je vais demander. Je suis un manga. Non. Non. Il a dit je suis un manga. Je suis quelqu'un. Oui. 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 J'existe, oui. Yes. Je vais te mettre du peur. Je suis noir. Non. Non. Je suis blanc. Non. 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 C'est arabe. Non. Ah oui, c'est pas une couleur. Il a dit noir, blanc, arabe. Ah, je sais pas humain. Oui. Oui. Ouais. Je suis un animal. Non. 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 Un animal. Vas-y. 55 secondes. Un animal. Je suis... Vas-y. Vas-y. Pas blanc. Non. Non. Je suis pas un animal. Non. Je suis un objet? Non. Non. Je suis un personnage. Vas-y. Je suis un personnage. Dans toutes les couleurs, frère. Je suis jaune. Oui. Oui. Ouais. Je suis jaune. Oui. Oui. Allez. Je suis jaune. Oui. Oui. Je passe à la télé. Je suis jaune, je passe à la télé. Je suis. Ouais. Je suis en dessin animé. Oui. Oui. C'est Bob l'éponge. C'est à ça qu'il pense direct. Aïe, aïe, aïe. Bah non, il aime trop Bob l'éponge. Vas-y, non. Tu viens de l'éponge. Trop content. Bob l'éponge, non, je suis. Garfield. Non. Non. Garfield. Jaune, frère, jaune, jaune. Jaune, frère. Non, arrête, écris rien, arrête. Oui, zut, ok, vas-y. Jaune, frère. Dessin animé jaune. Ah ouais. Dans Pokémon. Non. Non. Tu penses à Pikachu. Vas-y, vite, vite. C'est pas un animal. Bah, tu l'as. Un personnage. Un personnage jaune. Qui est jaune? Un personnage jaune. Un dessin animé. Un dessin animé jaune. Vas-y, avance, avance. Même propose des choses. C'est le... Vous êtes contre lui. Kango Junior. Oui, c'est vrai. Non. Ah, ah, Kango Junior. C'est qui ça, jaune, frère? Tout le monde le connaît. Ah oui, là, il est trop... Tout le monde le connaît, frère. Dis tous les dessins animés, frère. Titeuf. Non. Non. Mais vas-y, demande la chaîne sur laquelle ça passe. Ça passe sur TF1. Non. Non. Sur Gulli. Non. Non. Sur la 10. Non. Non. Sur W9. Oui. Oui. Les Simpsons. Non. Mais lequel? Les Simpsons. Non. T'as tué des Marge. Non. Bart. Oui. Stop. 2048. C'est long. On peut dans les chats à carré pour lui. Ok. Ok. 2048. Ok. Donne le casque. Qui fait ici? Non non non. Oui. Ça va passer ta tête. Tu peux tricher avec tes lèvres. Qui veut ici? Irina. Irina. Ange, c'est bien. Ange, ça peut être. Vas-y, tiens, donne Ange. Serre-lui, sors fort, ok? Sors fort. Ah, les boucles d'oreilles. Ok, vite, mets ton code, frère. Y'a pas de musique. Y'a pas de musique? C'est bon. Y'a pas de musique. Wow! Vas-y, force les mains, vas-y, force les mains. Ferme les yeux. Ange, regarde-moi. Force les mains, force vraiment, genre. Les deux côtés. Ok, écoutez, vas-y. Les garçons, vous voulez prendre qui? C'est vous qui choisissez. Vous les filles, vous n'avez rien à me dire comme ça. Mais s'il vous plaît, qui parlez de son papier, fini. Le cheval dans Shrek. Ah, l'âne dans Shrek. Oui. C'est bien ça. Non, ça va. Ah, il s'appelle comment? Non, personne ne connaît son nom. Mais il s'appelle l'âne. Non, Fiona. Ok, go. C'est bon, enlève, vas-y, attends. C'est bon. Ok, 3. Oui ou non? 3, 2, 1, go. Je suis un homme. Non. Je suis une femme. Non. Un personnage. Oui. Un personnage de qui passe à la télé. Oui. Un dessin. Ah non, non, je suis un personnage. Ah oui, oui. Dans un dessin animé. Oui. Oui. Je passe sur TF1. Oui. Partout. Ah, ouais. Non, arrêtez, vous avez rien à dire vous en fait, c'est les garçons. Qui est déjà passé. Je passe partout. Tu passes partout. C'est bien, on rigole, tu perds du temps. Surtout que c'est le dernier jeu et il reste qu'il n'y a qu'un point de différence sur les filles et les garçons. Ok. Je passe à la télé. Je suis un personnage. Déjà passé à la télé. Oui. Je suis déjà passé à la télé. Je suis une fille. Non. Je suis un garçon. Non. Un personnage garçon. Non. Oui. Non, 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 pas du tout. Je suis pas un personnage garçon. Non. Je suis un animal. Oui. Oh non. Je suis un chat. Non. Je suis un personnage garçon qui passe à la télé animal. Je suis. Pose des questions. Je suis bleu. Non. Noir. Non. Jaune. Non. Rouge. Non. Blanc. Non. Est-ce que j'ai un costume? Non. Un animal. Elle a fait que je suis un animal. Je suis un félin. Non. Est-ce que je suis un animal dans l'eau? Non. Un animal qui marche sur la terre? Oui. Est-ce que je suis genre un gorille? Non. Un singe? Non. Une girafe? Non. Un chien? Non. Une poule? Non. Un lapin? Non. Un rat? Hamster? Non. Continue. Arrêtez de rien dire vous. Je suis un animal. Oui. Ouais. Un chat. Vite. Non, on m'avait dit. Vite. Un lion. Non. Un lion. Non. Un lion. Non. Ah oui, on m'a dit ça, on fait là. Il y a encore comme animal. Est-ce que j'ai un animal qui vole? Non. Je parle pas de film. Non, bah non. Ok. Vite, vite. Ah, je suis. Yes! Quel animal? Posez question. Je suis un animal qui me met dans l'air. Mais continue. Un animal. Je sais pas, une panthère. Non. Une girafe, non. Un loup. Un chat. Un chien. Un pélican. Un perroquet. Un. Quoi comme animal? Une libellule. Non. C'est un animal, pas un insecte. Vas-y, vite, vite, c'est simple. Vas-y, vite. Un. Demande où il vit. Demande où il vit. D'autres questions. Qui passe à la télé. Demande où il vit l'animal. Ah, il vit où l'animal? Ah, bah, vas-y. Est-ce que je vis dans l'eau? Non. Dans la terre? Oui. Dans la jungle? Dans la terre? Oui. Je vis dans la terre? Non, sur la terre. Ah, sur la terre. Vite, vite. Je vis sur la terre. Est-ce que je suis un animal grand? Non. Un petit? Oui, un peu. Est-ce que je suis un cochon? Non. Est-ce que je suis un bœuf? Non. Une vache? Non. Pas loin. Une vache? Pas loin. Vite. Est-ce que je suis une chèvre? Non, pas loin, pas loin. Je sais pas, une chevrette? Non. Un agneau? Pas loin. Il y a un agneau, il y a quoi dans la ferme? Est-ce que je vis dans la ferme? Oui. Il n'y a pas un cochon. Une poule? Non. Un coq? Non. Une vache? Une chèvre? Un veau? Un agneau? Pas un cochon? Il y a quoi dans la ferme? Un cochon, mais il y a quoi dans la ferme? Un éléphant. Oui, c'est le bruit. Un éléphant. Un cheval. Non, oh, pas non. Un cheval. Un poney. Non. Un poney. Un poney. Une chèvre. Ça ressemble au poney. Un âne. Oui. Ah mais ça va du jeu ça. Oui mais maintenant mais vas-y trouve. Ah une ânesse. Non mais quel âne t'es? Ah quel âne? Oui. L'âne trop trop. Non. Ah mais ça c'est pas mal. C'est pas mal. L'âne trop trop. L'âne. Il y a un autre. L'âne. L'âne. Rien. L'âne. Oui. Bah l'âne trop trop. Il y a qui comme âne? Un âne. Peut-être elle connaît pas. Non je connais pas. Je connais que l'âne trop trop. L'âne. L'âne. T'es pas mouru l'âne. L'âne. En plus t'es pas mouru l'âne. T'es pas mouru. Je connais pas. L'âne. 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 Ah, l'âne dans Shrek. Oui, stop. En plus, c'est comme ça, non? Minute 14. Alors là, il l'appelle l'âne. C'est grave dur. L'âne. Alors là, ça me fait 3 points. Qui est le fou qui a ça? Mais ouah, l'âne. Ça fait 3 points et contre 17. Et Shrek. Et je vais vous laisser départager avec un dernier truc. Parce que là, il y a 19 points contre 17. Mais l'âne dans Shrek, c'était pas compliqué, non? Mais non. En plus, quand tu dis l'âne, c'est loin. Quand tu dis l'âne, genre tu disais l'âne. Ok, comme c'est l'émission Fille vs Garçon. Fille vs Garçon. Vous allez choisir 3 challengers. Choisissez 3 challengers. Pour quel jeu? Qui vont draguer et on va finir. Oh non. Mademoiselle. Non. Bénéfique Africa. Ici, là, il y a Steve. Bénéfique Africa. Ok, juste trouver 3 d'entre vous. Qui vont en fait. Draguer l'autre. Et l'autre va dire si c'est une bonne drague ou pas. Soyez honnête. Qui veut? Archimède? Steven? Archimède, Steven et Mathieu. Moi je drague. Non, Naomi peut draguer, Naomi drague. Ouais, Naomi. Qui d'autre? Naomi? Béné? Oui, Béné drague. Bon. Bon. Ici qui? Naomi, Béné. Vas-y, j'y vais. Allez. Jessie, tu vas pas draguer? Ah oui, Jessie. Non. Ossan, tu vas pas? Non. Ok. Ici, il y a qui? Steven, Archimède et Mathieu. Ok. Steven, tu dragues Ange. Ange, tu dragues Steven. Mathieu, tu vas draguer Bénédicte. Bénédicte, tu dragues Mathieu. Archimède, tu dragues Nao. Non, tu dragues Archimède. Ok. Qui veut commencer? On aura qui? Commencer, hein. À ceux qui sont derrière. Un homme. Et pour. Les garçons. Les galants. Les garçons, s'il vous plaît. Vous voulez la galanterie? Mais si. Je pense qu'il y a un endroit. Steven il va pas jouer. Oh les gars, ils ont dit Steven il va pas jouer. J'ai mis chanson d'amour en anglais. Je vous écoute. Oh là 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 là. Je pensais que c'était plus un instrumental. Oh shit. C'est ça? Oh non. C'est pas une adoration. Je sais pas qu'on drague. C'est quoi comme musique de love là? Une des emballes. C'est un mot ça? Ok. Ça c'est médiéval. Ah oui. C'est quoi la musique là? Piano, love, instrument. Ah non. Ah. Hein? C'est pas love. Je sais pas. Non. Des fois je fais ça. Non? C'est la Panthère Rose. Ah c'est ça? Mais c'est. Steven il se fait tailler dans les. Ok, à vous. Steven t'es dans la sauce là. Steven va roucouler. À vous. Steven c'était sûr. Qui commence? Steven. Oh my god. Oh non. Je vais crier. Un peu la même chose. Attends. Olivier à la régie, est-ce que le son c'est bon? Le son c'est pas trop fort? C'est bon. Ok, je vais remettre. Vas-y. Attends, est-ce que dans le chat vous entendez? Dans le chat. Ah bah je peux pas voir le chat. Vas-y Steven. Excuse-moi, tu peux me regarder dans les yeux, s'il te plaît? Oh mon dieu. Vas-y, tu as 15 secondes, vas-y, vite. Alors, j'aimerais te dire que... En fait, toi et moi, c'est comme l'océan sans l'eau. Tu peux pas exister. J'aimerais te dire que... Même s'il n'y a plus la gravité sur Terre, je continuerai de tomber amoureux de toi. Waouh. On peut acclamer waouh. Mais il est bon. Il est bon. Pour ceux qui n'ont pas compris la gravité, bah, tu es tombé. Voilà. Technique. Ça se voit que c'est un baratineur. Hein. Ça se voit. Regardez ça, la main, il s'en fout. Ange à toi. Ouais. Là, vraiment, celui qui gagne un point. Il y a 17-19 ans. Oh, s'il te plaît, déjà là. Ange, vas-y. C'est un rôle, c'est un personnage. Vas-y. Tu peux faire des beaux regards, tu peux faire ce que tu veux. Salut, Odesse. Oh alors là, on est plus, vas-y. C'est aussi le plus drôle. Salut, Odesse. Yes, ta chevelure me fait craquer, mec. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression que c'est un bon match et le point va au garçon. Bravo. Bravo, qui est champion. Et Mathieu, Sophon. Ok, honneur aux filles maintenant. Bénédicte à Mathieu. Vas-y, Bénédicte. 3, oh, vas-y, donne tout. Parle bien fort. T'es l'arme secrète. Tu as le droit de te lever, tu as le droit de venir vers lui. Tu vas faire ce que tu veux. Pas de oh, non. Non. Ok, waouh. Amen. Wow. Come on, girl. Non, tu vois tes belles mains et tout. Oh my God. Tu vois, quand tu zozotes, là, ça me... Mon cœur chavire. Mon cœur chavire. Oh non. Rague-le. Attends, oh non. Elle est partie. Non, c'est pas possible. Je comprends rien, elle. Allez, drague-le, allez. Le micro. Mais en fait, vraiment, et tout. Tu vois, moi, quand je te vois... Enfin, du coup, je sais pas, je perds toutes mes émotions et tout. Enfin, ton regard, vraiment, ça me chavire le cœur, tu vois. Franchement, tu me laisses pas indifférente. Hein. Vraiment. Ok, merci. Mathieu, à toi. Tout peut jouer sur cette bataille-là, Mathieu. Mathieu, à toi. 3, 2, 1. Salut. Tu vas bien? Oh le sourire. Salut. Non mais du coup tu peux répondre. Tu vas bien? Allez vite guys. En fait je vais juste te dire un truc. Je trouve que la couleur de ta perruque elle est vraiment belle. Je trouve vraiment que en fait je sais pas, ça rajoute quelque chose, ça va bien avec ton... Ouais super. Alors un point aux filles. Bon, le dernier point. Alors là, il y a 18-19. Ouais. Alors là, vas-y rapidement, on est pressé. Archimède contre Naomi. Écoutez, si Naomi gagne, il y a égalité et on fera une manche 2. Une revanche. Si Archimède gagne, on finit avec cette émission. 3, 2, 1. Qui commence? Naomi. Archimède commence. Non, c'est une fille qui a commencé. Vas-y, à toi. Vas-y, vite, on est vite pressé. 10 secondes, vas-y. Donne tout, frère. Tu peux être drôle, fais ce que tu veux, vas-y. Tu peux te mettre à genoux, fais ce que tu veux. Allez. Non, bon, allez. Il a pas compris le but du jeu, je crois. Vas-y. On est pressé. Ah, t'impressionnes. Vas-y. Ton regard perçant. Mais non. Je suis intimidé, désolé. C'est quoi ça? Je sais pas. Désolé, je veux pas. Je sais pas. Naomi, finis-le. Ok. Salut. Salut. Tu vas bien? Oui. En fait, je te voyais passer et je me suis dit pourquoi pas se connaître. Ok. En fait, je te trouve stylé parce que... En fait, tu dégages un truc. Ok. Est-ce que t'as un numéro? Non. Il est vraiment dragué là, je connais ses yeux, il est en train de pleurer. Il est en train de tomber sous le charme, vas-y continue Naomi. Vas-y Naomi, vas-y. Finis-les. Tu veux pas passer ton numéro? Non. Pourquoi? Parce que... Arrête de draguer. En fait, vous les réservez? Qui réserve? Oh non. Peut-être à Jessie. Alors en fait, vous deux c'était nul, mais toi c'était moins nul. Donc ça fait 19. À 19, dans le chat on peut acclamer égalité parfaite. Comme quoi, les filles ne sont pas meilleures que les garçons ne sont pas meilleurs. Yes. C'est les égaux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une émission 2? Yes. Ça peut être... Oui. Tu veux pas? C'est bizarre la fille. Il faut me dire. Tu dis quoi? Non, oui. Ah oui. Ouais, sympa. Donc voilà. Alors écoutez maintenant les deux infos. Première info, il y a maintenant le lien Paypal de la chaîne Evangile TV qui s'affiche maintenant. Vous avez vu que, surtout la Fresh en ce moment, on est vraiment en train de changer le plateau. Je pense que vous avez dû remarquer, hein. On est vraiment en train de changer le plateau. On essaie de faire de plus en plus d'émissions à plusieurs, tout ça. Et on aimerait même faire des émissions avec plus de chaises. Moi, j'aimerais même un truc, c'est que le public, on le mette derrière là, que limite, on soit 30 sur le plateau. Bon, je sais pas si c'est possible, mais beaucoup, quoi. sur le plateau. Et pour cela, tout simplement, il faut que chacun d'entre vous puisse participer, en fait. Il faut que chacun d'entre vous puisse participer. Et c'est pour cela que, voilà, il y a maintenant le numéro Paypal, le lien Paypal qui s'affiche maintenant. Et si vous voulez semer et nous soutenir, bah, ce serait génial. Simplement, quelqu'un pourrait exhorter quelqu'un à semer, je ne sais pas, et expliquer un peu. Allez-y. Moi, je veux bien. Vas-y, Nao. En fait, je trouve qu'il est important de soutenir le corps du Christ. Comme vous avez remarqué, pendant plus de 2 heures, on vous a divertis, on a donné tout de nous-mêmes. Et je pense tout de nous-mêmes, bon. Beaucoup de divertissement. Et je pense que, bah, en fait, on est là pour impacter. Et c'est pas simplement par les réseaux, mais c'est aussi par des chaînes télévisées comme celle-ci. Exactement. Donc, vous voyez, il n'y a pas tout le temps des jeunes chrétiens qui se lèvent pour parler de tout et de tout sujet. Et je pense qu'on est... on se démarque des autres et si vous aimez ce qu'on fait et vous aimez ce qu'on dégage, vous pouvez nous soutenir. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Ici? Ethan? Steven? Oui, Steven, si tu veux, on exhorte les gens à soutenir. Hein. Moi, ça va vraiment être simple. Si tu aimes le divertissement le mercredi, que tu t'ennuies habituellement et que tu veux continuer à regarder Fresh, ben, soutiens la chaîne, sinon ben, malheureusement tu pourras plus. Si tu veux continuer à regarder, ben, tu peux continuer à semer. D'accord. Il y a quelqu'un là dans le chat là, qui pense que nous sommes des charnels, tout ça. Donc voilà, nous autres, nous ne sommes pas dans. Voilà, on sait. Amen. Amen. Voilà, on sait. Amen. On sait. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Comme quoi, la spiritualité de la chambre, je ne vois pas combien d'âmes ça gagne. Voilà, en fait, si on fait ce genre d'émission un peu cool, c'est parce qu'en fait, il y a des jeunes qui n'acceptent pas l'évangile, la sainteté, la sainteté, et du coup, qui ont besoin, voilà. Maintenant, voilà. Amen. Donc, je disais, donc, qui d'autre peut exhorter alors? Vous avez un, vous avez un truc? J'écoute, vas-y. Vas-y, Ossane. Alors, il est donc important de s'emparer des médias. Là, elle a écrit un truc. Vas-y, oui. Il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, pour le corps de Christ, de s'emparer des médias et de pouvoir redorer la chrétienté. La chrétienté est l'image du chrétien même. C'est par vos dons et c'est par vos supports qu'on peut se permettre de faire des émissions comme ça et de pouvoir toucher et impacter des âmes, gagner des âmes à Christ. Le but, c'est vraiment de gagner des âmes. Il n'y a vraiment rien d'autre. Donc voilà, c'est important de soutenir chaque émission et Evangile TV. Voilà. Donc amen, amen. Une dernière personne peut-être. Une dernière personne. Nini, vas-y. Oh, ok. Moi déjà je dirais au début à chaque fois on vous demande de partager etc parce que c'est simple, vous avez juste à copier-coller un lien et ça peut toucher quelqu'un, ça peut fortifier quelqu'un, ça peut même au final donner une autre vision de la vie chrétienne à quelqu'un qui n'est pas chrétien et c'est facile d'envoyer juste le lien mais c'est bien aussi qu'il y a un bon contenu derrière, que ça plaise à la personne et qu'on varie et qu'il puisse avoir le choix, qu'il aime cette telle émission ou une autre. Amen. Et pour pouvoir varier toutes ces choses-là on a besoin de vous tout simplement, de vos dons, etc. C'est ce qu'on fait de vos dons, c'est ça, c'est les décors, etc. C'est ce que vous voyez. Ah, quelqu'un dans le chat a dit plus sympa pour les filles. Ah, ah la ministre Sabrina dit amen, un grand amen. Oh là là, oh là là, on va continuer ça je pense que ça, c'est... Elle aime bien qu'on parle de ça. Semer, semer, semer. Non, 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 sans blaguer, c'est très, très, très important. Le fait qu'il n'y a pas de contenu chrétien, véritablement, surtout pour les jeunes, qui est proposé, hein, franchement. Dites-moi une émission pour les jeunes chrétiens que vous connaissez. Fresh. Franchement, moi personnellement, je n'en connais aucune. Et le fait qu'il y ait des dons, le fait qu'il y ait vraiment, davantage de moyens, ça nous permettra de faire des choses à beaucoup plus grande échelle et dans le but d'impacter un plus grande échelle. D'ailleurs, mercredi prochain, voilà pourquoi on fait des émissions cool comme ça, parce que les émissions cool, on arrive à attraper des gens qui ne venaient pas avec des émissions édifiantes. Et la semaine prochaine, ce sera pas moi l'animateur, ce sera William pour une émission 7 fois le jeune tombe, 7 fois il se relève. Et le mercredi d'après, on va recevoir. Je sais pas si on peut l'annoncer. Non, je crois pas. On peut pas l'annoncer. Hein. On va recevoir. On peut l'annoncer ou pas? On peut l'annoncer ou pas? Oui, oui. Ok, est-ce que vous connaissez Placide Entella sur Instagram? Wow. Vous connaissez, il fait partie du groupe Les Chantres, Les Citoyens du Royaume. Yes. Et on va le recevoir pour une émission spéciale. Être jeune et serviteur de Dieu. Alors, ce sera pas mercredi prochain. Celui d'après, être jeune et serviteur de Dieu. Et ça va pleinement péter. Et le but, c'est vraiment de voilà. Ok. En tout cas, demain, on se retrouve notamment pour à nous les studios. À nous les studios, qui va être présenté par Daphné Ambiero. Et nous allons voir également. On a aussi vendredi. Push me up. D'ailleurs, on va continuer sur ce thème-là un peu garçon-fille, puisque le thème c'est. Que faire un premier rendez-vous? Voilà, que faire un premier date chrétien? Une très bonne question. Ouais. Et samedi, on va se retrouver pour... Une vécure heureux. Puis... Évangile musique. Et dimanche, on se retrouve pour l'émission... Culte. Voilà. L'émission culte. Voilà, la et lundi, Praia. Et mardi... Masterclass. Toi aussi, tu peux animer une réunion de feu, normalement. Yeah. Ça va être ça, le titre. OK? Sur ce, merci pour vos dons, merci pour votre soutien, merci pour votre présence. On espère que vous avez bien rigolé. OK? On espère que vous avez bien rigolé. Et on espère que beaucoup de jeunes ont compris qu'être chrétien, ce n'est pas être serré comme ça. Yes. OK? Amen. Que le Seigneur bénisse, c'était Jessie Bénédicte. D'ailleurs, on va faire un casting mercredi prochain pour toutes les personnes qui veulent intégrer Fresh. Soyez bien connectés. Il y a le lien de... le truc, comment on dit, Instagram. Le lien Instagram de Fresh, allez nous follow, qui s'affiche maintenant. Allez nous suivre sur les réseaux, puisqu'on va partager une affiche pour un casting pour ceux qui veulent devenir chroniqueurs. Hein? Mmh. C'était donc Jessie, Bénédicte, Océane, Naomi, Nirina, Ange, Willy Baiser, Ethan, Archimède, Mathieu, Ilias, Steven et moi-même sur Fresh. Voilà, et pour ceux également, pour ceux de la CER ce soir, on a un Zoom avec le pasteur Paulette. Soyez bénis, ciao, bye bye, stay fresh. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je vous ai rendu capable de faire des inventions, de répandre ma parole, car c'est pour cela que je vous ai choisi. Vous êtes mes élus, à vous les studios. Je sais pas trop comment vous dire, mais en fait, j'ai bientôt un date et je sais pas comment faire et j'aimerais vraiment que ça marche et j'aurais besoin de vous. Ah oui? C'était un rendez-vous avec un homme. T'es trop petite, toi. T'es trop petite. Attends, ton petit visage d'innocente. Pasteur Pau, excuse-moi, mais 22 ans, t'étais déjà mariée, donc... Ah, mais moi, moi c'est différent. C'est pas la même chose. J'étais déjà mature dans ma tête. Et bon, on va voir à quel point t'es mature. Donc, moi, je te dis, va à ce rendez-vous. Par contre, si je te donne un conseil, c'est vraiment de manger à la hauteur de ce que tu peux payer. Parce qu'aujourd'hui, là, 2021, les garçons, c'est plus ce que c'était. Ils sont un peu pingres. Ah oui, non, 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 c'est égalité. Égalité juste sur la note. Donc, dans le parc, voilà. Ouais. Ah, là, ça va plus, là. Vraiment, non, ça va plus. Donc ça, c'est mon conseil. Ok. Et puis, tu manges à ta faim, mais ce que tu peux payer. Okay. Je te donne un autre conseil, tu maximises la tenue. T'es ressorti, là. Sexy ladies, en tout cas. Pardon, faut pas les écouter dès. Tu dois rentrer... Pas après 18h, parce que le premier jour, là... Non, d'accord. Il faut mettre les gens. C'est quoi, c'est bienvenu chez les Mormons, là. Après 18h, putain, je t'assure. Non, faut pas ça. En tout cas, on se retrouve sur notre émission Push Me Up sur le thème premier rendez-vous chrétien, que faire. On va vous donner des conseils, vraiment. SF, faut suivre. Des bons conseils, vraiment. N'est-ce pas? Pour que ça se passe bien, le premier rendez-vous chrétien. Oui. Alors, rendez-vous vendredi prochain à midi. Bye bye. Bye.